Salutations, salam à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous, en tout cas, ici, ça va grâce à Dieu, alhamdoulilah. Tout va très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez pu plutôt le noter dans vos agendas. On fait une deuxième partie avec Monsieur Henri de Lesquin, donc que je ne vous présente plus. Hein, donc, je pense que tout le monde a pu connaître. Bonjour, chers auditeurs de Radio Principe. Merci à vous, Monsieur Henri de Lesquin. Comment allez-vous? Fort bien. Bah super. Je suis bah déjà de retrouver les auditeurs de Radio Principe. Eh ben écoutez, merci à vous d'avoir accepté encore une fois une seconde invitation. Donc cette fois on va aborder quelques autres sujets qu'on aurait voulu aborder la semaine dernière, puis donner la parole ou du moins les questions. On va aborder les questions du chat, etc. Donc Malik va me rejoindre d'ici quelques minutes. Donc je serai avec lui et puis éventuellement d'autres aussi qui nous rejoindront dans la soirée. Avant de commencer, je vous rappelle encore une fois. Que, encore une fois, nous soutenons la petite Aïcha qui. On arrive presque à la somme là. Et je crois qu'il manque à peu près 598 euros. Donc, pour ceux qui veulent aider, eh ben, n'hésitez pas. On va vous mettre dans le chat. Ça va défiler dans le chat. Et puis, on va pouvoir commencer. Donc, monsieur de Lesquin. Donc, oui. Première question que je vous pose suite à. Vous-même, ce n'est pas une question d'auditeur. C'est votre question. Alors, je vais commencer par une question. Ouais. On va commencer par une question exactement, en attendant justement que les auditeurs se connectent, etc. Alors attendez, vous savez ce que je vais faire, c'est qu'il y a un ami qui est sur le chat, à qui je voulais envoyer, j'avais complètement oublié. Stéphane, c'est le maréchal von Stéphenberg, on s'appelle comme ça entre nous. Donc Stéphane, si tu es dans le chat, je t'envoie le lien. Stéphenberg, c'est lui qui a voulu assassiner Hitler, il me semble, non? Alors je crois, sais pas, hein. On l'a appelé comme ça Stéphenberg, parce que c'est... C'est l'officier allemand qui a voulu assassiner Hitler et qui a raté son coup. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Von Stéphenberg. Ah, j'étais même pas au courant. Von Stéphenberg. Ouais. Bon, bah super alors. Alors, justement, avant de commencer ma question, donc Stéphane, qui est sur le chat, je t'ai envoyé le lien si tu veux te connecter. Et donc voilà. Les gens du chat, comme on vous l'a expliqué, c'est une foire aux questions aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions à poser à M. de Lesquin, allez-y. Je l'ai fait défiler, sur l'écran. Et c'est parti, on pourra commencer. Mais je vais commencer, moi, par vous poser une question, M. de Lesquin. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que voilà, c'est un sujet qui est revenu, qui est beaucoup revenu ces derniers temps, entre la présidentielle et les législatives, qui revient fréquemment sur les médias, etc. etc. Donc, moi, j'aimerais que vous nous donniez votre avis, dans un premier temps, sur le burkini, puis dans un deuxième temps, sur le voile. Très bien. Alors écoutez, c'est très intéressant parce que ça montre bien la différence de civilisation entre l'Orient et l'Occident, et la différence entre la religion chrétienne et la religion musulmane. Toutes les valeurs, les vraies valeurs, les valeurs authentiques, sont universelles à un certain degré d'abstraction. Mais ce qui distingue les cultures, les civilisations, c'est la manière dont elles hiérarchisent les valeurs, donc la manière dont elles règlent les conflits de valeurs. Dans le cas des vêtements féminins, les deux valeurs qui sont en cause, c'est la liberté individuelle, en l'occurrence la liberté de la femme, d'une part, et d'autre part la pudeur. Ces deux valeurs sont reconnues aussi bien par les Occidentaux que par les Orientaux. Mais on peut accorder plus ou moins de poids à la pudeur. Et c'est ce qui explique que dans l'islam, c'est d'ailleurs la parole de Dieu dans le Coran, les femmes sont voilées pour ne pas exciter les autres hommes, en dehors de leur mari. Ça ne veut pas dire que l'Occident est vicieux parce qu'il a moins, parce qu'il impose moins de pudeur aux femmes. Alors attention, lorsque je parle de l'Occident et de la France, je parle de l'Occident éternel et de la France éternelle. Aujourd'hui, en 2022, 50 ans après la révolution cosmopolite de 1968, nous sommes dans une période de complète décadence. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce décadence cosmopolite que nous subissons, les immigrés musulmans la subissent aussi, avec tout ce que là peut signifier comme perdition dans tous les sens du terme, y compris la perdition morale et la perdition du salut. Alors, commençons peut-être par le voile islamique. Je ne vois pas comment on pourra interdire à une femme de se voiler
si elle le choisit. Elle est libre de se voiler, ou pas. D'ailleurs, je vous signale que avant que la concurrence des femmes musulmanes voilées les en dissuade, les élégantes parisiennes ou versaillaises, j'habite à Versailles, portaient des foulards Hermès. Maintenant, les foulards Hermès se vendent moins bien. Effectivement. Hermès, elles vendent autre chose. D'ailleurs, dans les églises, autrefois, les femmes portaient une mantille. Les femmes catholiques portaient une mantille. Bonjour, cher monsieur, qui venait d'arriver. Salam, Malik, bienvenue à toi. Excusez-moi, monsieur Delesquin. Bonjour. D'ailleurs, les catholiques traditionnalistes continuent en général à porter des mantilles dans les églises. C'est une petite minorité. Autrement dit, pour ce qui est du voile, il me semble aberrant de vouloir interdire le voile, sauf pour un argument, qui est l'argument de la sécurité. C'est-à-dire ? Eh bien, il faut que les gens des deux sexes, les individus qui se promènent dans la rue, dans l'espace public, puissent être reconnus. Donc, il ne faut pas qu'ils voilent leur visage. Donc, la loi française sur ce point visait peut-être hypocrite pour l'islam, mais elle était justifiée sur le fond par des raisons de sécurité dans l'espace public. Personne ne doit voiler son visage. Il faut que les gens soient reconnus. Et on reconnaît les gens par leur visage. Donc, pour des raisons de sécurité, il faut mettre une limite à la pudeur. La femme peut avoir envie de se cacher complètement le visage. Ça se défend, hein. Vous savez, les plus logiques des musulmans, ce sont les talibans, bien qu'ils soient, je suis désolé pour vous qui êtes d'école maléquite, mais ils sont d'école anafite, car c'est la burqa qui cache même les yeux et évite que la femme lance une œillade sur un homme qu'elle veut séduire. Donc c'est assez logique. Mais il faut trouver un équilibre, juste milieu. En tout cas, le seul argument que je vois plausible et même nécessaire pour interdire voile, c'est le fait qu'il faut ne pas se masquer le visage. Mais le voile peut recouvrir tout le reste du corps. C'est la liberté. C'est la liberté. Je ne vois pas comment, dans un pays de liberté, on peut interdire aux femmes de se voiler si cela leur chante. Quelle que soit leur religion, quelle que soit la raison, cela ne nous regarde pas, c'est l'affaire privée. Et donc, dans l'espace public, la pudeur est interdite quand on se met une tenue. Mais on ne va pas obliger les gens, les femmes en particulier, sous prétexte d'impudeur ou d'hostilité à l'islam, de se déshabiller. Donc, encore une fois, moi, pour moi, c'est extrêmement simple. Dans l'espace public, il ne faut pas de masque. Entre parenthèses, alors c'est un sujet différent, mais le masque du Covid-19, qui ne sert à rien, que les gens portent encore quand il fait chaud, ou dans leur voiture. C'est de la divinité profonde. Le masque ne sert à rien. Les microbes en général, se transmettent par le contact. Bon, y compris le contact avec les postillons. C'est la seule utilité du masque. Encore faut-il qu'on soit près de quelqu'un pour recevoir ces postillons. On risque d'être contaminé. Donc, c'est simple. Pour moi, en République, il est exclu d'interdire le voile islamique, sauf la version ou la variante qui cache le visage. Il faut que le visage soit exposé au regard des tiers. Pour des raisons de sécurité. De sécurité. Voilà ma position très nette. Justement, c'est très intéressant de vous entendre dessus, parce que on a beaucoup de gens dits de nationaux de droite, etc., qui sont carrément contre le port du voile dans l'espace public, etc. On parle pas de ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est-à-dire entièrement couvert de la tête aux pieds, etc. Et tout. Voilà. On parle de celles qui le portent, on voit le visage, C'est complètement débile d'interdire aux musulmanes qui sont en France légalement de porter un voile si cela leur plaît, si elles pensent que c'est conforme à la tradition, à la religion, ou si simplement elles veulent se protéger du regard ou des agressions des hommes vicieux. Bon, non, elles ont le droit. Elles doivent avoir le droit, et vouloir leur interdire sous prétexte de laïcité, c'est débile. C'est débile. Contraire au principe de liberté. Il faut respecter la liberté de tous, y compris celle des musulmans. Bien sûr. Le plan du principe, ça me paraît extrêmement simple. Je répète, au risque de radoter, mais il faut le seul critère, c'est la sécurité.
Il faut que chacun accepte d'être identifié. Donc, de montrer son visage. Clairement. Malik, voilà. Alors, est-ce que Malik, tu es avec nous? Oui, salam alaikum. Salam, comment tu vas, mon frère? Bonjour. Et toi, bonsoir à vous. Également, monsieur de l'Esquire, bonsoir à vous. Ouais. Tu veux revenir sur un point justement non je parlais à répondre sur le burkini hein, je en parlerai après parce que le sujet est différent. Non, ah, bien oui. Sûr, pas de souci. Justement ouais. Malik je pense que tu as entendu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que M. de l'Esquire vient de dire? J'étais en train de publier sur Facebook justement pour que mes abonnés puissent suivre et être intéressé par le sujet, c'est-à-dire qu'en tant que tel, l'interdiction d'un voile religieux ou d'une tenue, je ne sais pas moi, les sikhs qui se couvrent la tête, le turban par exemple, au nom de la laïcité, effectivement, c'est d'un ridicule sans nom. Et monsieur de l'Esquire a bien fait de le préciser, chez les Ahnaf, donc dans l'école Hanafite, il y a un accent mis sur le fait de couvrir dans certaines conditions et dans certaines contrées le visage. Et le fait est que beaucoup vont confondre avec aujourd'hui donc l'apparition, on le sait très bien, depuis le XVIIIe siècle, de la prédication Nejdite, Wahhabite. Il y a une confusion chez beaucoup de gens qui veulent suivre cette prédication, mais qui en réalité est une prédication de spécialistes. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a les écoles traditionnelles, et ensuite il y a des prédications subsidiaires, et celles-ci ne doivent être suivies en tant que telles ou analysées scientifiquement que par des personnes déjà ayant un bagage scientifique aguerri. Malheureusement, avec les milliards qui ont été investis par l'Arabie Saoudite pour la prédication religieuse, pour faire face à celle des frères musulmans, qui est une prédication politico-religieuse, beaucoup de confusion existe. Et de ce fait, peu de gens sont au courant de à quel endroit et dans quelles conditions couvre-t-on le visage. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'avis religieux qui sont ici et là disponibles sur le net, qui sont répandus comme quoi couvrir le visage est une obligation du hijab, du voile religieux. Alors que non, en tant que tel, ce n'est pas une obligation, quelle que soit l'école. Il y a des cas particuliers. Et si on se permet de prendre le texte comme ça directement et de piocher à la source, le texte sans l'exégèse, sans la compréhension, voilà, on fait n'importe quoi. Donc certains musulmans vont crier « oui, le niqab, oui, il faut couvrir le visage ». Sauf qu'en réalité, comme l'a dit M. de l'Esquire, c'est une question sécuritaire avant tout. Je ne crois pas qu'en Arabie Saoudite, si une femme est contrôlée et si elle est vue comme étant suspecte, qu'elle va dire « non, je refuse de montrer mon visage ». Donc le fait de faire ça en France, de s'exposer à ce danger-là, voilà, il y a une réflexion. Maintenant, comme il a été dit aussi, par l'invité, une personne qui est visée soit par une arrestation policière musclée ou par un jugement hâtif et donc injuste à cause du fait de s'être couvert le visage, non, c'est ridicule. Maintenant, effectivement, si la police, si un magistrat aussi insiste pour que la personne ne porte pas dans telles conditions ne se couvre pas le visage, bon, la police, c'est autre chose, puisque là, c'est un rapport direct, c'est dans un contrôle. Pourquoi tenir tête? Donc, contrairement à beaucoup de gens, justement, se réclamant de la tradition française, se réclamant du patriotisme, entre guillemets, ou du traditionnalisme chrétien, on entend ici une voix bien différente, qui est celle de « si la religion, si la religion vous inspire cela, faites, mais dans le respect » du pays, dans le respect de la loi. Ouais. Monsieur de l'Esquire, vous voulez revenir sur un point? Alors, juste vous revenez sur ce point-là, et après ok, non mais justement par rapport à Malik. Alors, d'abord, je ne voudrais pas faire preuve de pédantisme ou de vous donner une leçon d'islam, mais quand j'ai parlé des talibans en disant qu'ils étaient hanafites, ça ne veut pas dire que tous les hanafites, à ma connaissance, sont aussi stricts pour la question du voile islamique. Exactement. Donc, ils appartiennent à l'école de Deobandi, qui est né à Deoband dans le nord de l'Inde au XIXe siècle, qui s'est radicalisé en réaction au retour en force de l'hindouisme, et ils sont donc beaucoup plus stricts que les autres hanafites à ma connaissance. Exactement, c'est pour ça. Deuxième remarque, alors là, qui est plus délicate. J'ai lu le Coran dans la traduction de Régis Blachère, qui à ma connaissance est la seule qui soit bonne en français.
et Régis Blachère qui donne une note très précise dans un passage du Coran, je n'ai pas la référence ici, mais je pourrais la trouver facilement, dit clairement que non, le voile islamique prescrit par le prophète, enfin prescrit par le Coran, pardon, donc ce n'est pas le prophète, c'est Dieu lui-même, couvre intégralement la femme, y compris le visage. Donc je crois que sur ce plan, ce sont les talibans qui ont raison. Mais je suis désolé, je ne suis pas musulman, et je vous dis, moi, que même si sur ce point, la loi islamique demande aux femmes, dans l'espace public, de se couvrir le visage, la loi républicaine doit l'interdire pour des raisons de sécurité. Et donc, l'interdiction, ce n'est pas la mise en prison de la fautive, c'est une amende, une contravention, comme on va trop, quand on va trop vite, ou quand on traverse en dehors des clous, etc. On peut avoir une amende. Une femme qui se met, une femme ou un homme d'ailleurs, qui se couvre le visage, doit, en vertu de la loi, et mis à part les âneries sur le Covid, recevoir une amende ou au moins un avertissement avant l'amende. Voilà ce que je dis. J'allais justement. J'allais, Alors, Malik, vraiment, vraiment rapide, comme ça. Vas-y. Rapide, comme ça, on va commencer avec les questions du chat. Il y en a beaucoup, là. C'est ça, exactement. Il faut parler de Burkini, quand même. Si vous voulez. Alors, Malik vous répond par rapport à ça. On prend une question du chat et après, je vous laisserai nous donner votre avis sur le Burkini, M. Delesca. Donc, c'est bien pour ça que nous sommes d'accord. C'est-à-dire que j'ai véritablement pris le soin de préciser qu'une partie des Hanafites et donc une partie des Hanaf sont appuyés sur cela, mais aussi une partie des Hanabila, c'est-à-dire des Hanbalites, partie des Malikiyah aussi, des Malikites, et également des Shafi'is, des Shafi'iyah. Donc, c'est-à-dire que dans chaque école, il y a, comme nous l'avons dit précédemment, des conditions à. Et si on s'intéresse à la société afghane, elle est essentiellement rurale. Donc, cette société-là est depuis des siècles sur le port de ce vêtement couvrant jusqu'au visage. Et effectivement, si on revient à ce que vous avez dit concernant Blachère, donc c'est dans Sourate al-Ahzab, la sourate, le chapitre des coalisés, où il est question justement du voile que l'on doit rabattre, donc dit toi le prophète, ô toi le prophète, ya ayyuhan nabi, yaqul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudannina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dayna. En français, ô toi le prophète, dis à tes épouses, à tes filles ainsi qu'aux femmes des croyants qu'elles rabattent sur elles leur grand voile afin d'être reconnues, exactement, afin d'être reconnues et non lésées et non agressées du fait qu'elle soit reconnue comme étant musulmane. Donc, dans la société mécoise, où il était question d'agression envers les musulmanes, et dans la société médinoise, où il y avait des incursions aussi mécoises, donc polythéistes, idolâtres ou païennes, plutôt, pour être plus large, envers les musulmanes, et le fait que les latrines étaient hors de la ville, bien souvent, il fallait qu'elles soient, lorsqu'elles sortent, reconnues en tant que musulmanes. Donc, à ce moment-là, donc, l'épouse du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, alayhi salatu wasalam, Aïcha, fille de Abu Bakr, dit, dit, à ce moment-là, quand ce verset est descendu, toutes les femmes, donc en s'incluant dedans, ont recouvert l'ensemble de leur corps, ne laissant qu'un œil apparaître. Donc effectivement, il y a cette prescription-là prophétique suivant la prescription divine du fait de recouvrir tout le visage. Et à la suite de cela, les compagnons, donc les apôtres du prophète, ainsi que les juristes de l'islam, ont statué que ça, c'était une volonté des femmes elles-mêmes, c'était une initiative des femmes de se couvrir entièrement et non une obligation, même si d'autres juristes considèrent que c'est une obligation et effectivement, le texte est très riche. Voilà, je laisse la parole. Merci à toi, Malik. Très bien, super. Donc, on reviendra tout à l'heure sur le... Merci pour cet échange, hein, Malik et M. Delesca. On reviendra tout à l'heure sur la question du Burkini. Je vous poserai la question, M. Delesca. On va prendre une première question de Nobita Nobi qui nous dit « Qu'avez-vous pensé de l'affaire Jean-Michel Trenu du supposé changement de sexe de l'actuelle Première Dame ?» Honnêtement, c'est un bobard ridicule. Pour vous, c'est un bobard. Mais c'est un bobard ridicule. Ça ne tient pas debout. Ce qui prouve qu'on fait croire n'importe quoi aux gens. Brigitte Trogneux épouse Macron n'est pas un homme ni un transsexuel. Ce qu'on peut remarquer au passage, puisqu'on évoque cela, c'est que elle avait plus de 30 ans. Elle était professeure du petit Emmanuel Macron quand celui-ci avait 14 ans et qu'elle l'a séduit. Alors qu'elle était son professeur de théâtre et son professeur de français. Donc elle s'est rendue coupable du délit, et peut-être du crime sur le plan moral, de pédophilie. Voilà, l'épouse du président de la République,
vraie question pour vous, c'est celle-là, donc. Ouais. Et pédophile. Alors, a été pédophile. Bon. Alors, il se trouve qu'elle a régularisé en épousant son... Enfin, est-ce que c'est une bonne chose pour une femme d'épouser un homme qui est plus jeune que ses propres fils? C'est dégueulasse. C'est nauséabond. C'est dégoûtant, c'est nauséabond. Bon, voilà. Et je ne comprends pas que les Français aient porté à la tête de l'État un homme comme cela, qui d'ailleurs dit qu'il ne veut pas avoir d'enfant. Alors, évidemment, comme sa femme est beaucoup plus âgée que lui, il aurait eu du mal à en avoir. Mais le devoir d'un homme, c'est d'avoir des enfants. C'est un devoir moral, religieux, social, politique, national. Bon. Donc ces gens-là sont, sur le plan moral, complètement répugnants. Bon. Alors, donc, c'est un bobard complet qui a été lancé par Faisé Document. Faisé Document était à l'époque, quand Emmanuel Ratier vivait, une excellente revue d'information. Maintenant, ça veut dire absolument n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, dans le même numéro de Faisé Document que j'ai reçu, il est expliqué que Ghislaine Maxwell, vous savez, la femme, l'ex-maîtresse de Stein, n'était pas à son procès. C'est-à-dire que si on n'envoyait pas son procès, c'est qu'elle était en France. Je veux dire, ce sont des gens qui racontent n'importe quoi. Ils vont me raconter que la Terre est plate. Hein. C'est ridicule. C'est tout simplement cette histoire de Jean-Michel Trogneux est absolument grotesque. Très bien. Alors, question suivante. Que pensez-vous de l'impunité dont bénéficient les pédophiles haut gradés de la magistrature? Je ne pense pas que... Non, alors là, je pense qu'il y a eu, longtemps... alors écoutez, j'ai tendance, vous avez tendance aussi sans doute, que, quand vous observez la société française, à considérer que ça va de mal en pire. Il y a un domaine où ça ne va pas de mal en pire. Un progrès, c'est celui de la pédophilie. Au lendemain de la révolution cosmopolite de 1968, des gens comme Ockenheim expliquaient qu'il fallait supprimer toutes les frontières, et donc, évidemment, la frontière entre les adultes et les enfants. Et il y a une pétition qui a été lancée dans le journal Libération en faveur de l'ouverture de la pédophilie, de la légalisation de la pédophilie. L'écrivain, comment s'appelle-t-il déjà? Je ne connais plus. Masneff, Gabriel Masneff. Oui, Gabriel Masneff, oui. Répugnant personnage qui se vantait de sa pédophilie avec des petits garçons. N'a pas été poursuivi. Mais que faisait le procureur de la République pendant ce temps-là? Jamais il n'a été poursuivi. Il a été poursuivi très tardivement, il y a un an, lorsqu'une de ses victimes, qui était une fille de 14 ans, a fini par révéler l'affaire. Mais comme les faits étaient prescrits, je doute qu'on puisse le condamner aujourd'hui. Et ce qui est très frappant quand même, c'est que certaines personnes ont volé au secours de Gabriel Masneff. Moi, j'ai tendance à penser, vous savez, que quand quelqu'un défend les pédophiles, c'est qu'il a lui-même été pédophile. C'est le plaidoyer pro domo. Alors, je pense à deux exemples de deux personnes répugnantes et que Hérode Thomas est dégénéré. L'une, c'est Alain Soral. L'autre, c'est Alain de Benoît, qui ont pris la défense de Gabriel Masneff. D'accord. Alors, ce type est ignoble. Bon, alors aujourd'hui, donc, au contraire, la pédophilie est dénoncée de manière... C'est général et je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui de protection des pédophiles dans la magistrature. Je pense que ça aussi, c'est un bobard. Peut-être qu'il y a eu, mais pas aujourd'hui en 2022. Ouais. Malik, tu veux revenir sur un point avant la prochaine question? C'est intéressant justement puisqu'il est, pour défendre leur point de vue, ces derniers parlent d'éphébophilie. Alors que, en tant que tel, Masneff a clairement défendu la pédophilie et c'était sorti dans l'Express. J'ai horreur de cette espèce de comment dire de jeu sur jeu de mots, de sophisme. Non, c'est vrai qu'il y a une différence entre avoir des sophismes sexuels sur un enfant de 8 ans sur un enfant de 14 ans. Bon, 13-14 ans. Il n'est pas du tout évident, d'ailleurs, que le traumatisme soit plus grand quand l'enfant a 8 ans que quand il a 14 ans. Hein. Bon, je ne sais pas. Vanessa Springer, elle avait 14 ans, elle était traumatisée. Bon. Donc, mais de toute façon, moi, je suis partisan de qu'on ait le détournement de mineurs. C'est-à-dire que lorsqu'un majeur a un rapport sexuel, même consenti par l'enfant ou le mineur, il doit être condamné. Évidemment, en distinguant, c'est pas la même chose. Alors, je ne dis pas qu'un majeur ne peut pas épouser une fille de 16 ans. Mais là, c'est le mariage, c'est autre chose.
Dans le mariage, il n'y a pas de pédophilie. Très bien. Alors, autre question. Donc, bonsoir, monsieur Delesquin. Comment conciliez-vous républicanisme, question très intéressante, républicanisme et catholicisme, étant donné que ce premier s'est construit en opposition à ce dernier? Alors, je rappellerai une fois de plus un adage de Vilfredo Pareto, un de mes maîtres à penser, c'est que les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Ouais. D'abord, qu'est-ce que c'est que la République? Qu'est-ce que c'est que la République? Alors, aujourd'hui, l'usage courant en France, c'est de dire on appelle République tout régime qui n'est pas une monarchie. Alors, c'est un fourre-tout. À ce moment-là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on met dans le même sac l'Union des républiques socialistes soviétiques, la République islamique d'Iran, la première république, ou prétendue première république jacobine de 1792, ou bien la troisième république, la république actuelle, la république de Venise, la république romaine. Ce sont des régimes complètement différents. Donc, pour moi, cette définition purement négative n'a pas de sens, en tout cas, si on peut l'apprendre, mais à ce moment-là, on ne peut plus parler de République comme si elle avait une essence. Donc moi, je préfère prendre une définition positive de la République. C'est celle de Jean Bodin, le grand penseur du droit et de la politique du XVIe siècle, qui vers 1560, me semble-t-il, dans son livre « De la République », a défini la République comme un régime voué au bien commun, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa forme plutôt. Que ce soit une démocratie, une démocratie, une aristocratie ou une monarchie. Ce sont toujours des républiques. Donc pour moi, si je prends cette définition, la prétendue première république française n'est pas une république. C'est une dictature, ou plutôt une tyrannie jacobine, qui a exercé la terreur sur la population française, qui a fait les colonnes infernales pour exterminer les Vendéens, et qui n'était en aucun cas voué au bien commun. Bon, en revanche, la deuxième république, 1848, et la Troisième République, 1871, sont des républiques. Et j'ai fait un article que je conseille les auditeurs de Radio Athéna, de Radio Sénat, de Radio Principe, d'aller voir sur mon site lesquin.fr. J'ai fait un article qui s'intitule « Les valeurs républicaines contre le cosmopolitisme ». On va le mettre dans le chat, si tu peux mettre. Et j'affirme en plus que, oui, c'est dans la rubrique... analyse. C'est une des analyse du site lesquin.fr, lesquen.fr. Et j'affirme en plus que nous ne sommes plus en République. Actuellement en France, je soutiens que depuis la loi Pleven du 1er juillet 1972, qui a institué le délit d'opinion d'une part, qui a interdit la préférence nationale d'autre part, nous ne sommes plus en République. Nous sommes dans l'État cosmopolite. Cette loi, qui n'était pas de forme constitutionnelle, a suffisamment changé l'esprit de la Constitution pour qu'aujourd'hui nous ne soyons plus en République. Donc, pour moi, Macron n'est pas républicain. Et paradoxalement, lorsqu'on appelle le barrage antinational front républicain, c'est une imposture, puisque le Rassemblement national de Marine Le Pen est au fond probablement le seul parti républicain, avec peut-être aussi le parti LR. En tout cas, les partis marxistes, commencé par celui de Mélenchon, et le parti cosmopolite de Macron ne sont pas des partis républicains. Donc, très bien, merci. Allez-y. Le catholicisme s'accommode de tous les régimes. Et d'ailleurs, quelles que soient les critiques que l'on puisse faire à Léon XIII, avec son ralliement, il n'y a aucune raison que le catholicisme soit contraire à la République. Ça, c'est il y a à droite tout un courant complètement borné, qui mélange tout. Il y a eu une république, certes, maçonnique et anti-catholique, qui, de ce point de vue-là, était condamnable, mais elle n'était pas condamnable sur tous les aspects. Elle a fait de grandes choses. Cette république fondée par Adolphe Thiers, en réalité, non pas par Gambetta. Et donc, il n'y a strictement aucune incompatibilité entre la religion catholique et un régime particulier, du moment qu'il est voué au bien commun. Très bien. Malik, tu veux revenir sur un point, après je vous pose une autre question, monsieur Delesquin. Malik, où est Malik? Malik a disparu. Bon. Ouais, Malik a disparu. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vous pose une autre question. Alors, bonsoir, une question d'Axel qui nous dit bonsoir, que pensez-vous de Philippot?
Que pensez-vous de Philippot? Bah écoutez, Philippot, je l'ai étrillé pendant des années. Je l'appelais le funeste Philippot parce que je trouvais qu'il faisait virer à gauche le Rassemblement national. Et puis, je dois dire que j'ai complètement changé d'avis sur lui depuis qu'il s'est lancé dans le combat contre la tyrannie à prétexte sanitaire, la TPS, tyrannie à prétexte sanitaire. J'ai été deux fois à des manifestations de Philippot contre le Covid. J'avoue que j'étais moyennement enthousiasmé. Ils nous ont passé quand même, dernière fois que j'y étais, on nous a passé Bella Ciao. Alors Bella Ciao, c'est une très jolie chanson italienne, mais je vous signale que c'est quand même la chanson des partisans marxistes-communistes. Hein. Donc franchement, non, c'est, voilà, ouais. C'est parce que c'est joli à l'oreille que c'est acceptable. Et puis tout le reste, c'était de la musique nègre. Moi, je suis partisan plutôt de la musique occidentale que de la musique nègre. Cela dit, attention, il y a une musique classique orientale qui est superbe. Hein. Je ne dis pas la même chose. Et d'ailleurs aussi, le jazz est une très belle musique, mais là, c'était plutôt du rap que du jazz. Hein. Bien sûr. Quand vous dites musique nègre, bien sûr, on va. Moi, je vois où vous voulez aller, c'est-à-dire cette espèce de musique de. Qui n'a rien à voir. Quelque chose qui nous vient des États-Unis et qui est complètement. J'appelle musique nègre l'expression musicale des populations de race congoïde, principalement aux États-Unis. Mm-hmm. C'est une musique qui peut être très belle. Le jazz, je veux dire qu'il faut être. Bien sûr. Il faut être sourd pour ne pas sentir la beauté du jazz. Mm-hmm. Mais c'est une musique dominée par le rythme. Et un rythme sexuel. Donc c'est une musique intrinsèquement sexuelle, sexuelle de part en part, obscène de part en part. Alors, j'espère que je ne vais pas choquer les auditeurs de Radio Principe, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Le mot jazz veut dire sperme en argot nord-américain. Ah. Le rock'n'roll, qui a remplacé l'expression rhythm and blues, qui était plus gentille, veut dire en argot nord-américain baise et jouit. Donc le rythme de la musique nègre, même quand il est très beau comme dans le jazz, est toujours sexuel. Et il s'adresse en priorité au cerveau reptilien. Vous savez que nous avons, c'est la théorie de Paul Maclean, trois cerveaux, le cerveau reptilien, le cerveau paléo-mammalien, le cerveau néo-mammalien. Et pour bien faire, il faut que les trois cerveaux soient équilibrés, et il ne faut pas que le cerveau reptilien prenne le dessus. Et il faut qu'il reste à sa place. Qui joue tout son rôle, mais à sa place. Donc, dominé par le cerveau néo-mammalien, qui est la raison, l'intelligence, le cerveau paléo-mammalien, qui est l'émotion, et le rythme doit jouer un rôle dans la musique. Subordonné. Ouais. Très bien. Comme ça, au moins, c'est clair. Il y a plus de précision parce que beaucoup de personnes se sont posées la question par rapport à vos. Ouais. Oui, non, donc je précise, pour éviter toute confusion, j'emploie le terme musique nègre parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour désigner cette catégorie musicale. C'est d'ailleurs une expression qui est revendiquée par les Congoïdes eux-mêmes, puisque Léopold Sédar Senghor, président, autrefois président du Sénégal, avait organisé un festival des arts nègres. Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor se réclamaient de la négritude. Et donc, on peut employer, et on doit employer l'adjectif nègre uniquement pour parler des arts nègres, et en particulier de la musique nègre ou de la danse nègre. Et pas dans d'autres domaines, puisque c'est considéré aujourd'hui comme péjoratif. Ça ne l'est pas lorsqu'on parle de l'art nègre, donc de la musique nègre. Mmh. Et alors, on ne peut pas dire la musique noire, parce que ça crée une confusion. Un roman noir, c'est un roman triste ou impressionnant. Donc non, il n'y a pas d'autre expression que musique nègre. C'est une expression revendiquée par les congoïdes eux-mêmes, en tout cas les intellectuels congoïdes. Je précise pour les auditeurs que le terme congoïde est le terme scientifique pour désigner la race noire. Ouais. Le terme caucasoïde est le terme scientifique pour désigner la race blanche. C'est ça, exactement. Très bien, bah écoutez, merci pour ces précisions. C'est important parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont pu être choqués à cette époque par rapport à cette expression musique nègre. Donc aujourd'hui, en exclusivité pour Radio Principe, on a les précisions. Oui, c'est indispensable. Hein. Bien sûr. Alors, par contre, H89, s'il te plaît, si tu pourrais arrêter de spammer, j'ai vu ta question, t'inquiète pas, c'est juste que ça défile devant moi et je dois gérer.
Mais t'inquiète pas. Donc, si tu peux t'arrêter, s'il te plaît. Sinon, tu connais purgatoire de YouTube. Je ne me prends pas la tête. Alors, il y a une autre question de Ryan Ibn Hassan. J'espère que tu vas bien, Ryan, qui nous dit « Que pense monsieur de l'esquin de la franc-maçonnerie ?» Bah, écoutez, je ne pense pas beaucoup de bien de la franc-maçonnerie, pour ne rien vous cacher. Pourquoi ? Parce que la franc-maçonnerie, c'est une contre-église. Elle se prétend philosophique, mais c'est une religion. Si on définit la religion comme on doit le faire avec Julien Freund, comme toute opinion, comment dire, tout système d'idées qui distingue le sacré du profane, la franc-maçonnerie est une religion. Ouais. Et les francs-maçons sont le clergé de cette religion. Et c'est une religion fondée sur le mystère et le secret. Le secret maçonnique est l'essence de la maçonnerie. Et le grand spécialiste de la franc-maçonnerie, qui était Bernard Faye, dans un récit brillant sur la franc-maçonnerie du 8e siècle, a écrit une phrase très profonde qui intéressera plus les chrétiens que les musulmans, à propos de la notion du mystère. C'est la suivante, c'est « La franc-maçonnerie a remplacé le mystère de la divinité par la divinité du mystère. » Fin de citation. La franc-maçonnerie a remplacé le mystère de la divinité par la divinité du mystère. La grandeur du christianisme, qui à mon humble avis est une supériorité par rapport à l'islam, c'est le mystère. La Sainte Trinité, c'est un mystère. Le christianisme est une religion compliquée, l'islam est une religion simple. C'est mon grand argument apologétique quand je discute avec les musulmans. Je leur dis, écoutez, bon, nous sommes tout petits, vous et moi, nous sommes d'accord pour dire, bon, attendez, je vais redire sur le sujet, je vais m'éloigner de la franc-maçonnerie. Bon, franc-maçonnerie, donc je n'aime pas la religion du secret. Ouais. Je ne dis pas que tout doit être public, bien sûr, il y a des délibérations qui doivent être secrètes, mais organiser une société secrète, ou une société fondée sur le secret, me paraît déplacé dans une société organisée et surtout dans une société démocratique. La franc-maçonnerie aujourd'hui. Alors, la franc-maçonnerie n'a pas toujours eu le rôle néfaste qu'elle a aujourd'hui. Hein. Oui, c'est clair. Oui, bien sûr. Ça, on le sait, ça. Elle a toujours eu un rôle néfaste pour ce qui est du christianisme. Parce qu'elle a toujours été. C'est une contre-église. Enfin, pour ce qui est du catholicisme. Oui, elle a vraiment opposé au catholicisme. Et moi qui suis catholique, je ne trouve pas ça très, très bon, évidemment. Les francs-maçons n'étaient pas du tout cosmopolites, parfois comme ils l'étaient. En tout cas, ce n'était pas uniformément cosmopolites. Aujourd'hui, ils le sont uniformément. Ce n'était pas le cas. Je vous retrouverai une citation de Paul Doumer. Paul Doumer il a été président de la République, assassiné d'ailleurs, et à l'époque, il était président de la Chambre des députés. Et il a dénoncé le cosmopolitisme dans un livre, le livre de mes fils. Et tout ça figure. J'ai fait un article qui s'appelle Les valeurs républicaines contre le cosmopolitisme, qui est donc sur je crois l'avoir déjà cité, qui est donc sur mon site lesquin.fr. Je vais retrouver la citation de Paul Doumer, qui est quand même assez extraordinaire. Donc, c'est l'une des 10 citations que j'ai faites à ce propos. Paul Doumer. Donc, Paul Doumer, c'était en 1906. Hein. Il était président de la Chambre des députés, et il a été plus tard, donc, et c'était un franc-maçon. Ouais. Et voilà ce qu'il a dit. N'écoutez pas les sophistes qui professent un cosmopolitisme dissolvant. N'écoutez pas les sophistes qui professent un cosmopolitisme dissolvant, qui nient la patrie et qui répudient le devoir. Ce sont des ennemis publics. S'ils étaient suivis, ils précipiteraient la France vers la décadence et la mort, comme leurs aînés ont fait de la Grèce et de Rome. C'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est ce que j'allais vous dire, c'est ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, les cosmopolites nous entraînent vers la décadence et la mort. Mmh. Et donc, il faut écouter Paul Doumer, bien qu'il soit franc-maçon. Et donc, je ferai une grosse distinction donc, entre les francs-maçons d'aujourd'hui, qui sont presque tous cosmopolites, et la franc-maçon de l'époque de Paul Doumer, qui ne l'était pas. Un autre franc-maçon, d'ailleurs, qui était Jules Ferry, le fondateur de l'école laïque, ouais. A dit en 1885 des propos qui sont très peu cosmopolites. Il a dit ceci, je cite, « Les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races inférieures. Ouais. » Fin de citation. Ce n'est pas vraiment cosmopolite. Donc, premièrement,
opposition, une distinction claire entre la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, qui est entièrement mauvaise, et celle de l'époque de Paul Doumer, de la Troisième République, critique quand même de cette franc-maçonnerie meilleure qu'aujourd'hui, parce que même si elle était largement anticosmopolite, bien qu'elle fût largement anticosmopolite, elle était quand même antichrétienne. Et puis elle reposait sur la religion du secret, qui n'est pas acceptable. La franc-maçonnerie est une sorte de mafia qui veut plus. C'est ça. Alors aujourd'hui, nous avons non seulement une franc-maçonnerie cosmopolite, mais une franc-maçonnerie qui confisque le pouvoir. Tout le monde est franc-maçon chez Macron. Macron lui-même est franc-maçon, bien entendu. Emmanuel Macron est franc-maçon. Tous ses premiers successifs sont franc-maçons. Alors, je ne sais pas si Elisabeth Bernstein, le premier ministre actuel, est franche-maçonne ou franc-maçonne. En tout cas, elle est juive. Mais les deux précédents, Castex et Edouard Philippe, étaient franc-maçons, et ainsi de suite. Bah, de toute façon, il y a une loge d'obédience juive, je crois, c'est le Bnei Brit, ça s'appelle comme oui, ça. Oui, mais ce n'est pas une vraie franc-maçonnerie, puisque la vraie franc-maçonnerie n'est pas ethnique. Hein. C'est une fausse franc-maçonnerie. Oui, les Bnei Brit, c'est une pseudo-franc-maçonnerie. Très bien. Malik, tu veux revenir sur un point avant, par rapport à la franc-maçonnerie avant de poser la prochaine question. Et les gens du chat, posez vos questions. Hein. Là, je suis sur le qui-vive. Alors, en tant que tel, je n'ai pas pu entendre l'intervention puisque j'ai eu un souci technique, mais on le sait bien, hein, la franc-maçonnerie, justement, pour revenir, pour t'expliquer les propos de M. Delesquin juste avant que tu reviennes, qui nous disait qu'il y a une franc-maçonnerie qui est différente, c'est-à-dire des années 1800, c'est-à-dire à l'époque de... c'était qui déjà 1906, mais Paul Doumer, c'est 1906. Voilà, une franc-maçonnerie, c'est-à-dire qui date d'il y a presque une centaine d'années, voire même un petit peu plus, et celle d'aujourd'hui qui est une mafia, qui est cosmopolite, etc., etc. C'est vrai, et puis beaucoup confondent aussi maçonnisme et jacobinisme, qui sont deux choses, deux cercles différents, deux... j'ai envie de dire, espaces privés différents. Et de ce fait, il y a une lecture homogénéisante de la République comme si c'était un bloc unique et homogène depuis la Révolution et même... Erreur totale. Totalement. Très bien. Alors, autre question de H89. Tu vois, je t'ai dit que j'allais te poser ta question. Qui nous dit bonjour, ou plutôt bonsoir, hein. Que propose M. Delesquin comme accord ou idée ou partenariat si une potentielle rémigration massive volontaire se présente, car il faut mettre quelque chose sur la table des deux côtés. Non, cher monsieur, un État souverain est libre de faire ce qu'il veut sur son territoire et n'ayant pas demandé la permission aux immigrés de rémigrer. Alors moi, je dis simplement, je propose une politique raisonnable consistant à réduire la population immigrée, inassimilable ou inassimilée. Mais de faire ça progressivement, en appliquant la préférence nationale, en favorisant l'assimilation d'ailleurs, sans brutalité. Et je vous dis, cette politique de réimmigration que nous réclamons est nécessaire pour éviter la guerre civile. Hein. Mmh. S'il n'y a pas de réimmigration et réduction en dessous du seuil de tolérance de la population immigrée, il y aura un jour la guerre civile, ça sera mauvais. Vous savez, la guerre civile, ça n'est bon pour personne, pas même pour ceux qui sont victorieux. C'est terrible. Donc, il faut éviter la guerre civile. Et il faut bien comprendre que quand deux populations de cultures différentes sont en contact, ça introduit forcément des conflits. Et ouais. Ce ne sont pas des conflits qui sont imputables à l'une ou à l'autre. C'est imputable simplement au fait qu'elles n'ont pas les mêmes codes de communication, puisqu'elles n'ont pas la même culture. Ce qui paraît, même pour prendre un exemple qui ne peut pas choquer les musulmans, entre les Français du Nord et les Français du Sud, il y a une différence de code de communication. Ouais. Un Français du Nord restera plus distant, un Français du Sud va se venir en contact, il va toucher l'autre. Autrement dit, ce qui peut paraître grossier pour le Français du Nord ne le sera pas pour le Français du Sud. Ce qui paraîtra froid et distant pour le Français du Sud, ne paraîtra pas froid et distant pour le Français du Nord. Donc, si vous voulez, là, je rentre dans peut-être des subtilités, mais lorsque c'est une population musulmane ou hindoue ou bouddhiste qui vient de pays lointains et qui s'installe en France, la cohabitation ne se fait pas facilement. C'est vrai que c'est pas évident. D'ailleurs, tous ceux qui ont épousé une femme d'une autre culture ou d'une autre religion, voilà le problème. Déjà qu'entre un homme et une femme, la différence est cruciale.
Si en plus on rajoute des différences culturelles, c'est difficile. Il vaut mieux se marier dans le même milieu. Clairement. Alors, à part Malik, si tu veux revenir sur un point, ou est-ce que je passe à l'autre question ? Là, c'est un point important du mariage religieux, justement, où la CAFAA, donc l'ensemble des règles de l'essentialité, on peut appeler ça l'essentialité. La CAFAA, ça prend en compte justement l'ethnie. Il est question de l'ethnie, par exemple, en islam. Si une femme est arabe, hashimiya, Hashimi, donc des purs arabes descendants du prophète, alayhi salatu wassalam, paix et bénédiction soit sur lui, on ne peut pas, c'est pas que c'est totalement bloqué, mais essentiellement, on ne va pas la marier avec un non-arabe, un perse ou un indien ou un ceci, cela. Ça, c'est-à-dire basiquement, essentiellement. Donc oui, on en revient à ça. Il est question des cultures, il est question des cultures et du mariage de celle-ci avant, bah, on parlait tout à l'heure, enfin, juste avant, et la dernière fois on en parlait, avant le mariage des individus, il est question du mariage des cultures. Donc, au sein du même espace géographique ou du même espace culturel, et puis si on va sur le terrain racial également, voilà, il n'est pas question de faire un melting pot d'empêcher ceux qui ont la volonté, non pas de purifier leur race, non, ça c'est ridicule, les national-socialistes ont bien montré la limite d'une telle idéologie, mais ceux qui ont la volonté que la nation puisse se baser sur un socle culturel, traditionnel, historique, commun, c'est une initiative louable. Ouais. Tout à fait. Merci à vous deux. Alors, une question de Z. Alors, j'espère que ce n'est pas Eric hein, qui se cache derrière ce pseudo. Que pense-t-il de la montée de l'ultra-droite projetant des attaques de masse contre les musulmans, les juifs et les institutions en général ? Alors, deux choses. D'une part, je ne crois pas qu'il y ait une montée de cette ultra-droite. Je crois qu'il y a quelques individus allumés qui font des attentats. Il y a eu deux ou trois exemples dans le monde. Hein. Je ne sais plus leur nom, mais celui de Nouvelle-Zélande qui s'est attaqué à une mosquée, ben, c'est honteux, évidemment. Mais deuxième remarque que je ferai, alors qui peut paraître cynique, mais que un gars de cette tendance qui veut en découdre, qui veut tuer, qui veut mettre des actes graves, il ne devrait pas attaquer les immigrés, hein. Il devrait attaquer les cosmopolites qui font la politique immigrationniste. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Breivik. Hein. Breivik en Norvège, il n'a pas tué des musulmans, des immigrés, il a tué des militants du Parti travailliste norvégien parce qu'il faisait la politique qui, à ses yeux, détruisait la Norvège. C'était beaucoup plus Breivik. Alors, Hans Breivik. C'est ça. Ça veut dire que il me semble que c'était des Palestiniens dont on a parlé, non ? Non. Il est allé sur une île où il y avait un congrès ou un séminaire que c'était les jeunes du Parti travailliste norvégien. Et il en a massacré des dizaines, ce qui est abominable, évidemment. Je trouve ça abominable. Mais de son point de vue, c'était beaucoup plus intelligent que s'en prendre aux immigrés, vous voyez. Et il fallait s'en prendre aux responsables de l'immigration. Les immigrés ne sont pas des traîtres. Ça peut être des ennemis, si on veut les combattre. Ce ne sont pas des traîtres. Ouais. Le pire, c'est le traître. Vous voyez Alors, bien entendu, j'appelle tout le monde, y compris les auditeurs de Radio Principe, à respecter la loi. Hein. Ah non, mais ici, il n'y a que des gens respectueux de la loi. Même s'il y a beaucoup d'encanaillement au niveau de l'esprit, mais au niveau des faits, c'est des gens qui sont relativement cool. Regardez, on est en train de prouver ce soir qu'on peut discuter. Hein. Qu'on peut discuter entre gens qui n'ont pas les mêmes origines sociales, ethniques, peu importe, on peut discuter. Voilà, on est encore en train de le prouver ce soir. Alors, une autre question de Jamel. J'espère que tu vas bien, Jamel. Qui nous dit, que pense M. de Lesquin des événements actuels aux USA concernant un retour contre l'avortement et la fin de la théorie du genre enseignée dans l'État de Floride. Alors, ce sont deux sujets différents. Ouais. D'abord, sur l'avortement, je vais vous donner mon opinion, qui est très simple. L'enfant est un être humain innocent, il est constitué dès la conception, dès l'instant fatidique où la semence masculine rencontre l'ovule féminin. Et la vie humaine innocente doit être protégée dès la conception, de la conception à la mort naturelle. Donc l'avortement,
C'est abominable, c'est la mise à mort. Je parle de l'avortement volontaire, pas de l'avortement spontané. L'avortement, c'est la mise à mort, décidée par sa propre... La mise à mort d'un enfant innocent, décidée par sa propre mère. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Regardez sur ma chaîne BeatShoot la vidéo La Shoah des enfants français. Ouais. Qui met en cause Simone Veil, auteur de la loi du 17 janvier 1975 qui a légalisé l'avortement. L'avortement est une abomination. Ça, c'était mon point de vue personnel, mais pas seulement personnel. Il me semble que toute personne attachée à la vie humaine innocente doit avoir le même. Notre identité et notre âme existent depuis la conception. Et bien que l'enfant commence à pouvoir souffrir que quelques semaines après, lorsque son système nerveux se constitue, il est déjà là, comme une entité humaine, un être humain, innocent. Donc, il va être protégé. Alors, la Cour suprême américaine est revenue sur un arrêt, l'arrêt Roe contre Wade, me semble-t-il, de 1973, qui était un arrêt sur le plan juridique qui était scandaleux. Ouais, c'était un arrêt. Alors, à l'époque, les juges cosmopolites de la Cour suprême, qui étaient majoritairement cosmopolites, de gauche, je préférais, en l'occurrence, cosmopolites, ont décidé que la Constitution interdisait l'avortement. Pardon, que la Constitution autorisée faisait de... que l'avortement était un droit constitutionnel. La Constitution américaine, elle existait depuis 1776. Il est évident que jamais les auteurs de la Constitution n'auraient envisagé à l'époque, sinon avec horreur, qu'on puisse légaliser l'avortement. Ouais. Donc on a affaire à des juristes qui ont honteusement trahi leur devoir de juriste pour faire dire un texte qu'ils n'avaient jamais dit. Et donc aujourd'hui, c'est le bon sens juridique. Les juges ont dit, eh bien, écoutez, non, rien dans la Constitution ne fait de l'avortement un droit constitutionnel. À mon humble avis, d'ailleurs, ils auraient pu aller plus loin. Parce que je ne connais pas bien le texte de la Constitution des États-Unis que j'ai à peine parcouru, mais je pense qu'il doit quelque part dire que la vie humaine est précieuse. Ouais. À mon avis, ils auraient dû dire au contraire que l'avortement était contraire à la Constitution. Ils ne sont pas allés jusque-là. Ils ont dit que la Constitution était neutre, ce qui est déjà mieux. Ouais. Du point de vue juridique, on ne peut absolument pas défendre cet arrêt Roe contre Wade, sauf avec mauvaise foi. Donc, sur le plan juridique encore, la décision nouvelle est parfaitement logique. Elle revient à dire que ce sont les États fédérés, les 50 États qui vont légiférer en la matière, qui vont légiférer, qu'il faut les laisser légiférer en la matière. Donc certains États vont interdire l'avortement, d'autres vont l'autoriser jusqu'à 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, etc. Bon. Et la Californie va se transformer en refuge ou en asile pour les femmes qui voudront se faire avorter. C'est incroyable. Il est possible que, c'est l'opinion du juge Kavanaugh, que le Congrès américain lui-même ait la liberté de prendre des lois sur l'avortement. Au niveau fédéral. Je ne sais pas si c'est conforme à la Constitution, mais c'est ce que pense le juge Kavanaugh. D'autre part, le problème se pose de savoir si un État peut interdire à ses résidents d'aller se faire avorter ailleurs, à ses résidentes de se faire avorter ailleurs. Il faut voir si oui ou non c'est légal du point de vue de la Constitution américaine. Bon, ouais. Je suppose qu'on va avoir des contentieux multiples dans l'avenir. Mais en tout cas, il faut saluer le champagne, savoir le champagne plutôt, devant une décision pareille, qui est un recul catégorique, ouais, un recul flagrant du cosmopolitisme. Si vous voulez, la gauche a persuadé une partie des gens de droite, ceux qu'on appelle les candoles, qu'il y avait un effet cliqué. C'est-à-dire que dès qu'une réforme de gauche était appliquée, c'était un progrès social, un acquis social ne pouvait pas revenir dessus. Donc on ne peut pas revenir sur l'avortement, on ne peut pas revenir sur l'abolition de la peine de mort. Aux États-Unis, on voit qu'on est revenu sur les deux. Ouais. La Cour suprême avait interdit la peine de mort, elle est revenue sur le sujet. Aujourd'hui, c'est autorisé. C'est aux États de légiférer. Et j'observe d'ailleurs, et je voudrais que les auditeurs comprennent bien, à quel point ces deux questions sont liées d'une manière très significative, l'avortement et la peine de mort, car pour un esprit sain, l'avortement... un crime,
parce que c'est la mise à mort d'un enfant innocent, la peine de mort appliquée à un assassin est une nécessité. En tout cas, il doit être une possibilité. Elle est juste, efficace et dissuasive. Eh bien, après la loi de 1975 de Veil, la loi de 1981 de Badinter, qui a supprimé la peine de mort, on ne peut pas mettre à mort un criminel, mais on peut mettre à mort un enfant innocent. Alors, je ne sais pas si je dois faire observer aux auditeurs de Radio Principe qu'entre Badinter et Simone Veil, il y avait un point commun. C'est-à-dire ? Un point commun. Ah, oui. Simone Veil, il y avait un point commun. disons que ce n'était pas les séfarades. Voilà. Qui ? J'ai envie de dire, il y a la SNCF un petit peu aussi dedans. C'est taquin ce soir. Bah tiens, j'en profite pour vous présenter le maréchal von Stefanberg avec nous. Salam Stéphane, comment tu vas ? Salam Zien, ça va, merci. Et vous ? Bonsoir monsieur Lévesquin. Vous avez raté Adolf Hitler. Non, vous inquiétez pas, j'ai suivi toutes ces aventures. alors, juste avant de te laisser, justement, si tu as une question, Stéphane, je vais juste laisser Malik. Moi, je voudrais que, parce que tout à l'heure, quand j'ai posé la question à monsieur Delesquin, quand il a commencé par rapport à l'avortement, quand il nous expliquait la conception justement de l'enfant, etc., dans le ventre de la mère, on a nous un verset, je crois, coranique qui nous parle de ça, ou un hadith, si tu peux nous le donner. Alors déjà, dans le livre saint, dans le livre révélé, dans le Coran, dans le Coran, il y a la notion de trois ténèbres. « Fi dhulumatin thalath » Il vous crée dans trois ténèbres, dont justement le batn qui est le ventre. Et avant cela, donc la matrice, donc qui est l'appareil féminin. Et dans le hadith, donc dans la parole prophétique, il est question du processus de création de l'être dans le ventre. Donc le prophète dit alayhi salatu wassalam, d'abord en arabe, ensuite en français. Donc c'est une partie d'un grand hadith où il est dit wa inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Donc, certes, la création de chacun d'entre vous est rassemblée dans le ventre de sa mère et dans le sein de sa mère durant 40 jours sous forme de liquide. Donc là, il est question du moment où la procréation vient d'être faite, c'est-à-dire où la semence a atteint justement l'ovule. ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلُ ذَلِكَ. Donc, puis il sera un caillot de sang pendant 40 jours, puis enfin il sera un morceau de chair pendant 40 jours autres, ce que l'on appelle l'adhérence. Et ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ. Puis à ce moment-là, donc 120 jours, à ce moment-là, l'ange lui est envoyé. فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ. À ce moment-là, donc l'ange lui est envoyé et il lui est ordonné d'écrire quatre choses. D'écrire sa richesse, donc c'est ici les questions de la prédestination, de décrire sa richesse, risrihi wa amali, ainsi que ses actes, wa shaqi, biket bi risrihi wa amalihi, wa ajali, et donc son terme fixé, à quel moment mourra-t-il, et wa shaqi yun amsaid, ou s'il est ainsi le fait qu'il sera heureux ou s'il devra lutter durant sa vie. Donc, il est indiqué que. C'est pour ça que les juristes ont dit la base de l'avortement, donc qui est une question moderne, hein, même si cela a déjà eu lieu par le passé et qu'on a cette parole du compagnon du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, Abu Hurayra, qui annonce que parmi les signes de dégénérescence de l'existence, il y aura le fait que la femme, donc c'est dit précisément hein, comme ça, que la femme vendra son ventre. Que la femme utilisera son ventre et le vendra, et donc l'utilisera pour être une porteuse, c'est tout. Là, c'est vraiment dans l'eschatologie, là. Oui, et ouais. C'est une parole d'un compagnon, de Abu Huraira, de l'un des plus grands traditionnistes, et même traditionnalistes, qui ont récolté les paroles prophétiques. Donc clairement, on a religieusement également une sécurité vis-à-vis de cette folie, de cette dégénérescence,
Quant à l'avortement tous azimuts, bien sûr, les juristes ont dit que dans des cas précis où, mais vraiment, on est avant les 120 jours, justement, on est avant le terme des 120 jours où, فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ وَيُرْسَلُ إِلَيْهِ Je me disais que tu avais oublié quelque chose, ouais. Voilà, j'avais oublié la partie, excusez-moi. Allez donc, Malik. J'avais oublié la partie où le prophète dit que au sortir des 120 jours, l'âme est insufflée dans l'être. À partir de là, il est vivant. Donc là, dans cette considération métaphysique, il est vivant à partir des 120 jours lorsque l'âme lui est insufflée. Donc, ceux parmi les juristes qui ont dit qu'il y a une tolérance minime quant à l'avortement dans des cas vraiment extrêmes de souffrance physique ou d'insuffisance financière, matérielle, c'est avant les 120 jours. Mais même là, on a vraiment une infime partie des juristes, donc des savants de l'islam, du droit islamique, qui permettent cela. Donc voilà, on a dans la religion, au sein de la religion, et c'est pareil pour le christianisme, c'est pareil même pour l'hindouisme, une protection de la vie. Par contre, en ce qui concerne la peine de mort, on a justement le fait que on établit cette peine pour le criminel avéré, afin que celui-ci ne recommence pas, ben il ne recommencera pas, et que la population soit dissuadée. Donc, ça a une portée dissuasive. Donc, la religion protège la vie et punit le crime, justement. Exactement. Alors, pour être précis, ouais. Merci à toi, Malik. Sur ce sujet de l'avortement, le christianisme a toujours formellement interdit l'avortement, considérant que c'est un grave péché. Oui, ça, ouais. Mais il y a eu un débat théologique qui ressemble un peu à ce que vous dites à propos de l'islam, du Coran et des Sunnahs, de la Sunnah, des Hadiths, pardon. C'est saint Thomas d'Aquin, par exemple, un docteur de l'Église bien connu, docteur commun, comme on l'appelle maintenant, qui a dit et qui considérait que l'âme n'était pas infusée dans le fœtus ou dans l'embryon dès le début, dès la conception, mais après. Son raisonnement était que lorsqu'il y a des vrais jumeaux, ils se subdivisent au bout de je ne sais combien de temps, de 15 jours ou 3 semaines. Et donc, on ne pouvait pas expliquer que l'âme allait se diviser en deux. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de doute, on connaît bien maintenant la génétique. On sait que l'identité génétique est fixée dès la conception. De ce point de vue, peut-être qu'il faut imaginer qu'il y a deux âmes simultanément qui cohabitent dans le même œuf fécondé lorsqu'il va se diviser en deux vrais jumeaux monozygotes, mais je pense que du point de vue théologique aujourd'hui, un catholique ne doit pas nier que l'âme apparaît dès la conception, ce qui d'ailleurs est au fond nécessaire de notre point de vue théologique, c'est la transmission du péché originel qui n'existe pas chez les musulmans, mais qui existe chez les chrétiens. Le péché originel, c'est le péché qui a été commis à l'origine, comme son nom l'indique, par Adam et Ève, et dont tous les hommes sont les dépositaires malgré eux, s'il n'y avait pas cette continuité biologique qui fait que dès la conception, l'enfant hérite de son âme, ou bien reçoit son âme, ouais. Est constitué avec son âme, je vois mal comment il pourrait y avoir héritage du péché originel. Merci à vous, monsieur Delesquin, merci à Thomas. Encore un point. Oui, allez-y. L'avortement est toujours immoral, sauf dans le cas où l'enfant, dans le ventre de sa mère, met en péril la vie ou gravement la santé de sa mère. Là, c'est un cas où s'il faut choisir entre la mère et l'enfant, on peut admettre que la mère choisisse de se débarrasser de l'enfant parce qu'elle elle veut vivre. Il est également immoral quand l'enfant est né d'un viol, et dans ce cas, je pense que la loi doit autoriser cet acte immoral. On ne peut pas imposer à la femme qui a été violée de garder l'enfant qui a été mis en lui par le violeur. C'est vrai que c'est Elle devrait, en toute morale, accepter de garder cet enfant qui, lui, n'est pour rien, qui n'est pas coupable, mais je pense qu'on ne peut pas légalement, raisonnablement, imposer cela à une femme qui a été violée. Et c'est un argument utilisé par les personnes d'avortement, mais c'est un cas sur un million, enfin, c'est très rare, quoi. C'est vrai que la question de l'avortement, c'est vraiment une question qui est très, très, très délicate. Vraiment, il faut y aller avec des pincettes, quoi.
Merci à vous deux. Merci à vous. Des pincettes, je ne sais pas si l'image est bien choisie. C'est grave, pas mal. J'ai mon stylo, je vais la noter. Ça est pas mal. Est pas mal. Oh, c'est horrible. C'est... Écoutez, les pincettes pour sortir les malheureux fœtus. Stéphane. Les gros enfants, je veux dire. Yavol. Si tu veux, je te laisse la parole si tu veux échanger avec M. Delesquin. À toi. Alors, merci volontiers. Je vais juste compléter parce que je n'ai pas de questions pour l'instant de prête. Bonjour Malik, hein, excuse-moi, je ne t'ai pas salué. Bon, allez. Concernant l'avortement, bon, bah, ma seule remarque, c'est qu'effectivement, c'est comme beaucoup de sujets polémiques, on cherche toujours à trouver des bases morale ou scientifique, ici c'est un peu plus dur, ça dépend du sujet, pour justifier le bien fondé ou non de mesures qui en réalité sont déjà rentrées dans la loi et depuis bien longtemps. Faut quand même voir que on s'intéresse aux cas particuliers qui justifient. N'oublions pas que nous sommes quand même sous un régime d'avortement, c'est-à-dire que de toute façon, en réalité, dans la pratique, la question ne se pose pas. Alors donc, moi je salue comme un grand événement, évidemment, c'est un grand soulagement ce qui se passe aux États-Unis. Car en entendant récemment, même si j'ai cette conviction que l'avortement est une mauvaise chose et que un bébé est un don de Dieu, en entendant récemment Monsieur Émile Duport, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit Survivant, il a des réflexions qui sont absolument intéressantes. Il s'intéresse à l'aspect psychologique de l'avortement et il émet une hypothèse qui mérite qu'on y prête un peu d'attention. À savoir que l'éloignement que l'on peut constater entre les hommes et les femmes, et notamment les nombreuses ruptures de couple, pourrait être lié au fait que, évidemment, il faut aller voir dans la psychologie, que la femme a perdu confiance dans l'homme qui n'est pas capable de défendre le bébé à naître en n'étant pas suffisamment, convaincant ou fort pour lui dire vas-y, garde-le. Voilà, je schématise un petit peu. À cela s'ajoute tout un tas d'autres aspects, notamment le traumatisme de la mère qui a avorté pourrait inciter sa propre fille en âge de le faire dans les mêmes conditions, à le faire elle-même pour ne pas intégrer un échec comme un miroir, enfin, qu'on lui renvoie au visage tel un miroir. Le choix qu'elle a fait. Alors, il y a tout un aspect, si vous voulez, psychologique dans lequel je ne vais pas rentrer, mais simplement, c'est extrêmement, non pas intéressant, mais important, parce qu'il ne s'agit pas de parler de la couleur du papier peint, quand même. Et à cela, il a ajouté un autre aspect qui a été mis en évidence par un sociologue. Alors là, on est toujours pareil sur une notion plutôt scientifique, même s'il s'agit de sciences humaines, à savoir que des traumatismes ou des habitudes psychologiques qui ont été prises, qui sont individuelles à une époque, 30 ans après, deviennent collectives. Alors bon, je sais bien, là, je vous envoie des choses un petit peu qui demandent à être étayées. Ouais. Je me permets quand même de le dire parce qu'il y a une... On peut déjà, nous, par un constat au quotidien, quand on voit un peu la situation, éventuellement y trouver des pistes de réflexion et de solutions. Et puis sinon, on va s'en détourner si ça s'avère insuffisant. Non, écoutez, non, vraiment, moi, tout ça est très intéressant, mais je ne suis pas d'accord. Vous noyez le poisson, cher monsieur. Non, l'avortement, c'est la mise à mort d'un enfant innocent. Voilà, c'est clair et net. Et donc, c'est moralement un crime. Et ce crime est commis par la propre mère. Alors, les gens qui, sous prétexte de combattre l'avortement, vous font pleurer sur le sort des femmes qui avortent, se moquent du monde. Alors, je sais bien que beaucoup de femmes qui avortent le font parce qu'elles sont désespérées. Donc, elles ont des circonstances atténuantes. C'est comme quand on commet un crime, on peut avoir des circonstances atténuantes. Mais elles décident elles-mêmes de tuer leur propre enfant. C'est quand même mesurer ce que ça représente. L'avortement est un infanticide commis in utero, dans le ventre de la mère, dans l'utérus. Donc, il ne faut pas focaliser le débat sur les souffrances de la mère. C'est les souffrances de l'enfant, qui d'ailleurs souvent souffre réellement quand on le tue, et qui de toute façon, même s'il ne souffre pas, est tué, assassiné. C'est ça qui compte. Et pas les raisons psychologiques, sociologiques, etc. Il faudra amener la chose à son essence, qui est la mise à mort d'un enfant innocent, d'un être humain innocent. D'accord.
Merci, merci à vous deux, très bien. Je peux juste répondre à Monsieur Delesquin. Alors, vas-y, ouais, vas-y. Si tu peux rapide, comme ça, on va avancer après. Je vais faire rapide. Mon maréchal. Donc, je vous remercie, Monsieur Delesquin, de soulever cet aspect et le risque de psychologisation, de victimisation. Oui. Il va de soi que je m'inscris complètement à l'envers de ça. Je vous remercie d'éclaircir ce point de vue. Je ne vois pas la femme comme une victime. Le meurtre d'un enfant est terrible. Et je fais juste une petite relation avec la peine de mort dont vous parliez tout à l'heure. On tue des enfants innocents et on laisse en vie des assassins coupables. Enfin, c'est complètement l'envers. C'est l'inversion des valeurs caractéristiques du cosmopolitisme. Absolument. L'inversion des valeurs qui vise à détruire les valeurs. Absolument. On fait de la vie d'un monstre, prenez le cas extrême, un sadique qui a tué après les avoir violé des dizaines de femmes, comment s'appelle-t-il, Fourmiret. Fourmiret, oui. Eh bien, sa vie est considérée comme un bien précieux. Ah oui, oui, oui. Donc c'est de l'inversion des valeurs. On crée de fausses valeurs, des anti-valeurs. On fait même des films sur lui, des revues, des alors, le met en valeur. La société le met en valeur. Ouais, mais clairement, ouais. Clairement. Alors, juste pour finir de répondre à Monsieur Delesquin, l'intérêt que je trouve aux aspects que j'ai soulevés, c'est en fait de comprendre les processus et absolument pas d'excuser, parce qu'une femme qui a elle-même avorté et qui pousse sa fille à avorter, il va de soi que on est dans le double meurtre, on est dans le meurtre au carré, donc certainement pas que j'aurai une larme pour cette femme. Simplement, il va de soi que quand on veut comprendre d'où viennent les problèmes, de la même façon qu'un diplomate est là pour essayer de trouver des moyens de sortir d'une guerre pour lesquelles on peut avoir des raisons jusqu'à l'infini, bah, faut essayer de voir où sont les problèmes. Voilà. Oui, n'oublions pas une chose, c'est que l'avortement était interdit en France avant 1975, et la France existait depuis 1000 ans comme nation. Donc c'est une chose très récente à l'échelle de l'histoire. Ouais. Et c'est la manifestation la plus cruelle de cette révolution cosmopolite de 1968 qui a détruit les valeurs, qui est en train de détruire les valeurs. Et quand il y a une victoire du bien contre ce mal, comme aux États-Unis avec la décision de la Cour suprême, il faut s'en féliciter. Absolument. Alors, arrêtez le génocide. C'est ça. Merci à vous pour vous deux pour cet échange. On va conclure cette discussion-là avec un commentaire. Je pense qu'on va aller au plus bref. Ryan Ayoub, un mec qui nous dit si elles ne veulent pas avoir d'enfants, il ne faut pas se faire sauter. Tout simplement, on ne va pas chercher midi à 14h. Alors, écoutez, c'est vrai. Mais d'autre part, les femmes qui se font avorter sont parfois fécondées par leur mari dans des conditions parfaitement régulières. Oui, c'est assez vrai ça aussi. Alors ouais, je voulais juste apporter une petite... Il est normal qu'une femme mariée se fasse sauter par son mari. Je dirais même qu'il n'est pas normal qu'elle se refuse à son mari si elle n'a pas de raison de le faire. C'est vrai. C'est vrai. C'est même conforme à la loi musulmane qui dit expressément que la femme doit se donner à son mari. Elle est maudite jusqu'au matin par les anges célestes si elle se refuse sans raison. Oui, bien sûr, elle peut avoir une raison, bien sûr, elle peut être très fatiguée, etc. Mais si elle le fait simplement par caprice, elle commet un péché. Exactement. Voilà. Aussi bien d'ailleurs pour un catholique que pour un musulman. Hein. Monsieur Delesquin, vous rapprochez un peu là, de l'islam. Hein. Attention. Attendez. J'ai toujours dit qu'il y avait quatre grandes religions, que l'islam était une grande religion. Ah, et que pour un chrétien, il y avait une part de vérité dans les trois autres grandes religions, y compris dans l'islam. L'islam a beaucoup de vérité et de bien dans l'islam. On partage énormément de points communs, ouais, clairement. Tout n'est pas bien dans l'islam, puisque sinon ce serait le christianisme, mon point de vue en tout cas. Mais bon, il y a beaucoup de choses bien. Enfin, il y a l'aspiration au bien et à la spiritualité qu'on ne peut qu'admirer. Merci à vous. Alors je vous pose la question qui attend là, depuis 20 minutes. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat hein, parce que là ça s'est un peu calmé, donc allez-y, relancez. Donc Patrick Vanderberg qui nous dit: bonsoir, que pensez-vous de l'idée qu'il y aurait une islamophobie ambiante en France, pur fantasme ou diversion efficace pour occulter les vrais problèmes? Non, il y a vraiment de l'islamophobie, c'est incontestable. Cette islamophobie est créée et entretenue pour des raisons très politiques. Politique, ouais. D'ailleurs, il faut parler de Zemmour à ce propos. Zemmour est le parangon de cette islamophobie. Zemmour et un certain nombre de groupes juifs utilisent la haine de l'islam, donc l'islamophobie,
pour deux raisons. Je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière. La première raison, c'est de pousser les nationalistes français à être contre l'islam, donc à se rapprocher d'Israël, puisqu'Israël est considéré comme un pays entouré de musulmans qui sont méchants avec qui sont ses ennemis. Donc l'idée, c'est, puisque nous avons des ennemis communs avec les juifs, nous devons apprécier les juifs, élire Zemmour président de la République et soutenir Israël contre les musulmans. Donc il y a une astreinte. Donc effectivement, on excite l'islamophobie dans ce premier but. Le deuxième but, c'est peut-être plus subtil, mais je le crois vrai, c'est que il y a de la part de certains groupes juifs comme le Congrès juif mondial la volonté de dissoudre les identités nationales des pays occidentaux par le métissage. Et donc de les livrer à une immigration combine massive. C'est ce que j'appelle le PPCM, qui n'est pas le plus petit commun multiple, et le plan de promotion des Congolais du métissage. Il suffit de regarder la publicité, vous verrez, dans la publicité, une fois sur deux, on vous met un bel homme congoïde avec une femme caucasoïde et type occidental, souvent blonde d'ailleurs. Bon, c'est systématique, systématique. Bon, et pourquoi ? Eh bien, donc l'islamophobie, excitée donc par ces groupes, vise à rapprocher les nationalistes des juifs et de l'Israël. Autrement dit, l'islamophobie a pour but d'évincer la judéophobie, de la faire disparaître. Vous voyez et également d'occulter la question principale de l'identité nationale de la France et des pays occidentaux, la question raciale. Bon, j'ai toujours dit, enfin, j'ai dit depuis un certain temps, que la question raciale pour l'identité nationale de la France est beaucoup plus importante que la question religieuse. Désolé de le dire, mais même que la question de l'islam. Ce n'est pas que la question de l'islam ne soit pas importante, mais elle est d'une autre nature. D'abord, on peut convertir un musulman au christianisme, même si ce n'est pas, bien que ce ne soit pas autorisé par la charia, ça peut arriver. En revanche, on ne peut pas faire qu'un congoïde devienne un caucasoïde. Ouais. Très bien. Alors, on a Malik, si tu veux revenir sur un point ou je prends une autre question dans le... J'allais revenir sur le point précédent qui est le fait que les États-Unis, ironie de l'histoire, qui est considéré comme un modèle par les progressistes d'ici, sont en train de se casser les dents, justement, ces progressistes-là, puisque les États-Unis, au contraire, ne se cassent pas les dents, mais montrent la voie à suivre, celle du progrès véridique, celle du retour aux valeurs traditionnelles pour mieux avancer. Et c'est un pied de nez à tout le monde. On a l'acteur donc de Jack Sparrow qui s'appelle Johnny Depp gagne face à Me Too, et on a la magistrature ensuite. On a le droit états-unien qui lui à son tour gagne face à la prédation séculariste. Antithéiste et anti-vie, puisque lorsque l'on s'oppose à l'idée de Dieu, on s'oppose à l'idée de vie. Ouais. Donc, déjà, voilà, ça c'était sur le point sur lequel je voulais revenir. Et la question à laquelle a répondu à l'instant M. Delesquin, oui, ce métissage des esprits, ce métissage des corps, contrairement aux religieux qui intègrent l'ensemble des races. À partir de l'apostolat de Jésus, en ce qui concerne l'islam, on considère que voilà, c'était un prophète seulement, celui de Mohammed, qui a une vocation. Donc celui de Jésus restait concentré sur les fils d'Israël dans la première phase, puis s'est étendu ensuite au monde. Et celui de Mohammed, c'était également dans une première partie pour les Arabes de Quraysh, pour la tribu de Quraysh, puis de son vivant même à l'ensemble de l'humanité. Donc, clairement, la religion peut intégrer les différents types humains, mais ne changera pas ces types humains-là, intégrera leur culture et la magnifiera ou en fonction la transformera. Mais le fait de amener les caucasiens et les négroïdes et pareil, hein, congoïdes ou négroïdes, ce sont deux termes de la raciologie et d'ethnologie également,
à s'accoupler forcément. Donc là, on incite les gens. C'est encore une fois, ça relève encore une fois de l'hérésie. Merci à toi, Malik. Alors, une question de Sandy Mani. Je te passe un grand salam, mon frère, qui nous dit « Bonsoir les amis, merci pour ce live. Quelle vision avez-vous des 5 années de Macronie qui nous attendent ? Une guerre civile risque-t-elle d'éclater ?» Très intéressante. Alors, je ne crois pas qu'une guerre civile éclatera, à moins qu'on considère qu'un mouvement comme les Gilets jaunes soit de nature de la guerre civile, mais pas tout à fait quand même. En revanche, je pense que les 5 prochaines années vont être mauvaises à tout point de vue. La politique de Macron était néfaste, et sur le plan économique et budgétaire, c'est dramatique. La dette publique de la France, qui d'ailleurs sous-estime pas la dette publique officielle, parce qu'on ne tient pas compte de la dette publique des retraites, en particulier des retraites de fonctionnaires. La dette publique officielle est passée au-delà de 3 000 milliards d'euros, ça va faire 120 ou 130% du PIB, du produit intérieur brut. Et jusqu'à présent, elle était facile à gérer puisque les taux d'intérêt étaient nuls. Mais maintenant, avec le retour de l'inflation, dû à la politique monétaire laxiste qui a été menée par les banques centrales, dont la Banque Centrale Européenne depuis des années, qui ont fait tourner la planche à billets, les taux d'intérêt vont monter, l'inflation va repartir et les difficultés économiques vont être graves et avec des retombées évidentes sur le pouvoir d'achat des plus pauvres. À cela s'ajoute les sottises d'une politique économique qui est fondée sur des billevesées comme le réchauffement climatique causé par l'homme et donc la transition écologique ou la transition énergétique faite de manière autoritaire ne peut être que néfaste à l'économie. On multiplie les normes, les interdictions, les subventions, tout cela c'est du gaspillage à grande échelle. Et ajouter à cela encore les conséquences de la guerre en Ukraine qui, avec les sanctions occidentales, se traduisent par des ruptures d'approvisionnement. Toutes les chaînes d'approvisionnement sont grippées. Donc on a vraiment pour les années à venir des perspectives sombres sur le plan économique. Sur le plan de la sécurité et de l'immigration, je ne pense pas que les choses s'améliorent beaucoup, étant donné que la politique de Macron ne favorise pas l'assimilation, ne favorise pas la réduction de l'immigration. Donc tout s'annonce pour... Alors je ne crois pas aujourd'hui que le risque de guerre mondiale, qui serait... Alors là, la catastrophe absolue, c'est bien pris la guerre civile. La guerre mondiale atomique, quand on sait quel est le potentiel nucléaire des États-Unis et de la Russie, le potentiel nucléaire de la Russie qui est supérieur à celui des États-Unis, ils ont eu, je crois que c'est 8000 ogives nucléaires. Ils ont des missiles supersoniques. Donc, si on entrait dans une perspective pareille, il ne restait plus qu'à se cacher à la campagne en attendant que ça passe. Mais la moitié de l'humanité risquerait de disparaître. C'est une perspective abominable. Mais bon, supposons que ça n'arrive pas, et je pense quand même que ça n'arrivera pas, heureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Je ne parle même pas d'un retour de l'épidémie de Covid ou d'une autre épidémie. Je n'y crois pas trop. Je crois que la loi de virulence décroissante fait que les variants du virus sont de moins en moins méchants et que le virus du Covid, le SARS-CoV-2, finira comme les autres coronavirus qui ont circulé en France depuis des siècles, par devenir un simple rhume. Donc je ne suis pas très pessimiste sur ce sujet, mais je suis un peu inquiet sur la politique la possibilité d'une surréaction du gouvernement qui s'est avéré jusqu'à présent, pendant 2 ans, on a surréagi à des menaces très exagérées, très surestimées, et donc c'est encore un facteur supplémentaire qui peut nous inquiéter. Qui sont déjà en train de remettre les couverts hein, par rapport à là, les histoires de 7e vague et tout. Donc franchement, je ne suis pas optimiste pour les 5 prochaines. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous d'avoir répondu aux questions du chat. Donc les gens du chat, je vous remercie, j'arrête là les questions, parce que il est 21h25 et on va essayer de ne pas faire une émission trop longue pour qu'elle soit le plus efficace possible. Moi, j'ai une question à poser, j'ai une question à vous poser, M. Delesquin. On a travaillé un peu avec Malik tout à l'heure. Justement, et Malik et Stéphane qui sont avec moi font partie et pas partie ou soutiennent ce dont je vais vous parler. C'est qu'en fait, avec des camarades et des frères en islam, etc.,
on a créé une alliance, ce qu'on peut appeler aussi entente, d'accord, islamo-chrétienne, et on a commencé à bouger. On a commencé à bouger. On est parti à Vézelay, à la grande cathédrale de Vézelay. On a rencontré les moines qui sont là-bas. On a échangé avec eux, etc. Malik était présent d'ailleurs. La basilique de Vézelay. Voilà, merci. On a été dernièrement à Poitiers. Pareil aussi. Pour, bien choisi l'endroit. Ouais. Ah oui, non, mais justement, c'était fait exprès pour justement montrer que il faut qu'on rediscute sur ce sujet. Et voilà, c'est Stéphane qui est présent avec nous aujourd'hui et qui nous a fait visiter l'ensemble des cathédrales et les différentes églises de la ville de Poitiers. On a été à la Fédération de la Libre Pensée, d'accord, qui justement on a parlé d'eux, puis on est parti les rencontrer. On a mis à jour aussi l'escroquerie Éric Zemmour, etc., etc. Donc voilà, on travaille justement sur un aspect de rapprochement de la communauté chrétienne et la communauté musulmane, d'accord. C'est absolument pas une alliance ou une entente comme Malik me précise aussi. C'est-à-dire où il y a de l'interreligieux, c'est quelque chose qu'on s'est interdit. On a interdit l'interreligieux. On n'est pas là pour que chacun débatte de la religion de l'autre, estimer que l'autre sa religion est meilleure, etc. C'est vraiment une alliance parce qu'on estime que nous sommes les deux communautés les plus principalement visées par ce système. Donc moi, j'aimerais avoir votre avis sur ça, sur ce type d'alliance. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que c'est quelque chose de je peux pas dire de bien, mais de bénéfique aujourd'hui pour la France et l'ensemble de nos concitoyens? Non, je ne le pense pas. Je pense que les musulmans doivent individuellement se faire respecter. Ils doivent faire connaître leur religion, qui est une grande religion, je le répète. Mais je ne vois pas de possibilité de mettre sur le même plan une communauté musulmane avec la communauté nationale. Pour un républicain comme je suis, bon sens du terme, ouais, il n'y a qu'une seule communauté qui est la nation. Et donc, les immigrés qui sont en France et qui veulent devenir pleinement français doivent s'assimiler. Et le critère de l'assimilation, c'est l'absence de communautarisme. Et si on reste avec les gens d'une communauté, on se sépare de la communauté nationale. Mais on peut très bien... Mais on peut très bien être. Séparatisme, c'est la même chose. Communautarisme et séparatisme, c'est la même chose. Vous savez d'ailleurs que vous avez peut-être noté que lorsque Macron a fait une loi sur le séparatisme, pourquoi a-t-il parlé de séparatisme et pas de communautarisme? Vous avez dit pourquoi? Parce que le CRIF, Conseil suprême des Juifs de France, considère que les Juifs doivent être une communauté et considère que le communautarisme, c'est très bien. Et donc, il s'agissait de trouver un autre terme. Mais en fait, séparatisme et communautarisme, c'est exactement la même chose. Et moi, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait une communauté musulmane en France, pas plus qu'il y ait une communauté juive. Lorsqu'il y a des musulmans en France, très bien. Il est pour eux un peu compliqué de s'assimiler, mais je veux bien qu'ils essayent de faire l'effort. Je veux bien aussi, et je crois qu'il faut qu'il y ait des explications multiples, mutuelles, pour qu'il n'y ait pas de l'incompréhension, en particulier pour faire disparaître l'islamophobie qui est née de l'incompréhension de l'islam. Il faut voir que les gens sont... La plupart des Français, des Français non musulmans, sont très mal informés sur l'islam. Très mal informés. Et qu'ils ont souvent des préjugés. L'islamophobie est une réalité que je déplore, qui est due à l'ignorance. Pour autant, je répète que l'islam est une religion orientale. Le judaïsme se rapproche de l'islam, je crois l'avoir dit la dernière fois aussi. Simplement, le judaïsme est un islam étriqué, raciste, alors que l'islam est une grande religion universaliste. Donc ces deux religions ont un rapport, d'ailleurs un rapport historique aussi, sauf que l'une est une religion qui élève l'âme et l'autre est une religion qui la rabougrit, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc non, je ne suis pas partisan d'une institutionnalisation de relations. Je pense que individuellement, comme je le fais aujourd'hui avec vous, il faut favoriser les échanges, mais une alliance qui mettrait sur le même plan la communauté nationale. Alors, on dirait que les chrétiens ne sont pas la communauté nationale. Mais il ne peut pas y avoir de communauté chrétienne. Alors, justement... Les catholiques ne sont pas une communauté. Les catholiques, c'est une religion. Moi qui ai été élevé dans la religion catholique, je n'ai jamais pensé à un seul instant que nous formions une communauté. Alors, justement, c'est important. Moi, j'aimerais bien... Nous ne sommes pas catholiques, mais nous ne sommes pas pour autant séparés comme deux communautés peuvent l'être. La notion de communauté que vous... Parce que vous, c'est comment dire? Alors moi, quand je parle de communauté, justement, je vais vous préciser mes propos avant de laisser la parole à Stéphane puis à Malik.
Moi, mes propos, en fait, ils sont... Mais votre communauté, c'est l'Ouma. Mais moi, je parle de communauté de foi. Bien sûr. C'est pas une notion républicaine. Alors, est-ce qu'on peut faire... Alors, justement, je vais vous poser une question qui va dans le sens de votre réponse. Est-ce qu'on peut dissocier une communauté de foi d'une communauté nationale? C'est-à-dire, est-ce que moi, ou Malik, ou Stéphane, qui est avec nous, mais qui est reconverti à l'islam, est-ce qu'on peut se déclarer musulman, mais tout en étant dans la communauté nationale? Moi, à titre personnel, c'est comme ça que je me sens. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément tout le temps avec mes frères, mes co-religionnaires de la communauté musulmane. Je suis aussi avec des gens de différentes communautés, qu'elles soient hindouistes, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient ceci, qu'elles soient cela. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de se dire d'une communauté de foi, mais d'appartenir à la communauté nationale? Ou est-ce que les deux ne vont pas... C'est un peu la quadrature du cercle. Si vous considérez que les musulmans forment une communauté internationale... Non, une communauté de foi. Je parle vraiment en France. Non, mais le problème de l'islam par rapport à la France, par rapport à la religion chrétienne, c'est que l'islam, c'est un tout. L'islam est théocratique et Mohammed, si vous préférez, Mohammed était à la fois le prophète qui a reçu la révélation, mais aussi c'était un chef religieux, un chef spirituel, mais c'est aussi un chef de guerre, un chef d'État. C'est ça. Et le Coran, la Sunna, c'est à la fois l'évangile, le code civil et le code pénal. Donc il n'y a pas cette séparation, cette distinction qu'il y a dans le christianisme et dans l'Occident entre l'Église et l'État. Donc un musulman qui voudrait vraiment s'assimiler à l'identité nationale de la France ou simplement à la culture occidentale devrait inventer un islam qui, à mon avis, serait quelque peu hétérodoxe et ne serait pas très... Il risquerait de subir l'anathème des oulémas. Donc ça, c'est un vrai sujet. Non, clairement. Normalement, un musulman doit considérer que la charia peut s'appliquer. Oui, bah oui. Et que si on n'applique pas, c'est pour des raisons de rapport de force, de réalisme. Et idéalement, un bon musulman doit considérer que la charia peut s'appliquer, y compris dans ces aspects les plus politiques, les plus juridiques. Et donc, il considère nécessairement que la loi actuelle de la France, la loi nationale, la loi républicaine, la loi démocratique, c'est tenté qu'on soit en démocratie d'ailleurs, n'est pas légitime en soi, elle est légale, elle est acceptable pour une raison pratique, parce que il faut respecter le rapport de force, la situation. Idéalement, le musulman doit souhaiter que le pays entièrement soit converti à l'islam, ou en tout cas soumis à la charia. Alors qu'un chrétien, un catholique, doit évidemment souhaiter que tout le monde soit converti, idéalement christianisme ou catholicisme précisément, et ça ne veut pas dire pour autant que les formes politiques doivent changer, tandis que le musulman, lui, même s'il pratique la taqiya, in petto, il doit souhaiter que les formes politiques changent. Ça pose un vrai sujet. Moi, pour que vous soyez assimilé, il faut que vous considérez que notre État, je ne dirais pas que notre État actuel est légitime, puisqu'il ne l'est pas, mais que l'État républicain en soi, s'il devient républicain, est légitime. Mais, une dernière question, après je laisse tourner la parole avec mes camarades. Quelle est la différence justement entre l'assimilation et l'intégration? Est-ce que moi qui suis né sur le territoire français, Malik aussi, et bon, nous deux voilà, qui avons des origines d'Afrique du Nord, est-ce qu'on a besoin d'être assimilé? On est né ici, on parle français, on comprend le français, on respecte le pays, on respecte ses lois. Pourquoi est-ce que justement on continue à nous parler d'assimilation? Et juste un truc, je précise aux gens du chat que peut-être que vous êtes arrivé en retard parce que beaucoup ne comprennent pas votre rapport à la République, etc. Et tout. On l'a abordé à un moment donné, il y avait une question. Donc, quand l'émission sera finie, je vous invite à aller à chercher, vous allez trouver. Monsieur Delescam nous a expliqué sa conception du républicanisme qui n'est pas justement celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est très important. Donc, je vous incite, quand l'émission sera finie, à aller regarder pour comprendre. Bref, j'affirme que nous ne sommes plus en République. Nous sommes depuis la loi Pleven du 1er juillet 1972. Dans un État cosmopolite. Voilà. Ah, vous allez dire islamique. Non, je ne sais pas si j'allais commettre un lapsus, mais en tout cas, je pense État cosmopolite, et l'islam n'est pas un cosmopolitisme. Parce que l'islam, il défend des valeurs morales.
Très bien. Alors, pour la question que je vous ai posée, justement, pour des gens comme Mike et moi. Alors, attendez. C'est une question de choix de société, de conception de la société. Le nationaliste, ou le patriote, ou en tout cas le nationaliste, veut que la nation soit une communauté. Pas homogène, mais que les membres de la communauté, les citoyens, les nationaux, soient appelés à participer à un idéal de vie en commun, la nation étant formée des vivants, des morts et de ceux qui vont naître. L'assimilation veut dire que on devient membre de la communauté nationale. L'intégration est un terme mensonger, trompeur, qui a été inventé justement pour faire croire que c'était l'insertion, pour faire croire que c'était l'assimilation, alors qu'en fait c'est l'insertion. L'insertion, c'est le projet de société où on additionne des communautés les unes à côté des autres. C'est la société multiculturelle. Ouais. C'est celle que veut Bernard-Henri Lévy, vous voyez. Ouais. Ou en fait Zemmour aussi d'ailleurs. Jacques Attali, multicommunautaire, multiracial, etc. C'est l'explosion de l'unité nationale. Alors, ça, c'est contraire à l'idéal de la nation que je défends, comme tout républicain, digne de ce nom. Et c'est même contraire, d'ailleurs, à la paix civile, parce qu'une société fragmentée, de cette manière, aboutit à la guerre civile. Alors, maintenant, je me refuse à faire des cas particuliers, mais j'ai réfléchi à un compendium, un résumé doctrinal qui est maintenant dans une première version sur mon site lesquin.fr, qui s'appelle modestement Sagesse des nationaux libéraux, par allusion à la sagesse des nations. Et le premier apophtègme, le premier aphorisme, la première maxime de cette série de 49 aphorismes, apophtègmes, est le suivant: ce n'est pas l'opinion qui fait l'identité, ce sont les ancêtres. Et ensuite, nous disons, il y a trois sortes de Français selon la loi, bien que la loi ne fasse pas cette distinction: les Français de sang, moi je suis, et ma mère ne l'était pas, ma mère était une Française d'adoption. Les Français d'adoption qui sont des allogènes assimilés, et les Français de papier, comme Moïse Éric Zemmour, qui sont des allogènes inassimilés. J'aime bien quand vous précisez Moïse Éric Zemmour. Inassimilable. Lui, tout à fait. Mais je devrais dire Moshé, parce que Moïse, il dit Moïse, mais en fait c'est Moshé. Alors en tout cas, je ne fais pas de cas particulier, mais appliquant le premier principe selon lequel ce n'est pas l'opinion qui fait l'identité sur les ancêtres, et ensuite c'est le comportement objectif, ce n'est pas l'opinion de Zied ou de Malik ou de Stéphane qui compte, ni la mienne d'ailleurs. Si on n'est pas un Français de sang, pour être assimilé, il faut ne pas être communautarisé. Il faut vivre avec les Français de sang, les fréquenter normalement, etc. Ne pas se mettre à part. Oui. Pas se mettre à part. Justement, ce qui n'est pas notre cas ici. Moi, je suis parti de... Je prends mon exemple à moi, même si vous ne faites pas de cas particulier. Parce que faire un cas particulier, c'est trop difficile. Bon, Non, mais vraiment. C'est parce que là, on est vraiment dans l'échange. Non, on est vraiment dans l'échange et c'est intéressant ce que vous dites. Parce que justement, moi, j'ai fait cette... Je suis parti de Seine-Saint-Denis, d'accord, où on ne côtoie pas généralement ce qu'on appelle des Français de sang, pour être ici en Champagne-Ardenne, où j'en côtoie plus que justement ceux qui sont censés être avec moi au quotidien. Donc moi, j'estime que je n'ai pas besoin d'être assimilé. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire qu'il faut que je m'assimile. Je le fais déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est peut-être un cas particulier, mais moi, ce que j'exprime à travers... La question est de savoir... Si un individu n'est pas assimilé, ça ne veut pas dire qu'il doit partir de France. Hein. Oui, clairement. On peut parfaitement accepter, à condition que ne soient pas trop nombreux, plusieurs millions de personnes qui ne soient pas assimilées sur son territoire. On est complètement d'accord sur ça. Je ne suis pas pour une réémigration à 100%, je suis pour une réémigration partielle destinée à résoudre certaines difficultés de cohabitation entre Français et immigrés. Pas une réémigration totale, il faut être raisonnable, et en plus progressive et en fait volontaire. Non, mais clairement. Voilà. Sauf exception. Donc, alors moi, puisque vous faites un cas particulier, je vais prendre un cas particulier qui est le mien. Allons-y. Ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, donc, qui était née Camille Medina, descendait d'un conquistador espagnol. Alors, Medina était un nom arabe qui veut dire la ville. Le conquistador en question, qui est né en 1530 dans la ville de Medina del Campo, au nord du Burgos, s'appelait Gaspar de Medina, et donc ma grand-mère en descendait. Il était noble, il n'était pas juif. Je dis ça parce qu'un abruti m'avait expliqué que j'avais des origines juives à cause de ça. Je n'ai
ne connais aucun ancêtre juif. Et que je... L'analyse d'ADN a montré que je n'avais pas de sang juif. Vous avez été jusqu'à faire l'analyse ADN, excellent. Je vous conseille de la faire, mais je n'ai rien demandé. Mais dans l'analyse ADN, si vous avez du sang juif, on vous le dit. Ça coûte bonbon, hein, moi je verrai, c'est une question de budget, on verra ça plus tard. C'est 90$ sur 23emo.com. Ouais. Si, je connais, ouais. Bon, et donc ma grand-mère maternelle n'avait pas une goutte de sang français, bien qu'elle fût née en France. Ouais. Elle était de nationalité guatémaltèque, de sang espagnol, pas une goutte de sang français. Mais je peux vous dire qu'elle aimait la France, elle se sentait, comme elle avait épousé un breton, elle était plus bretonne que son mari. Donc si c'était vraiment une française d'adoption, elle était complètement assimilée, de fait, par son mariage. Et par sa vie. Donc, elle était complètement assimilée. C'est une vraie Française. Française d'adoption, parfaite. Ma mère elle-même, ma propre mère, n'avait pas plus de 50% d'ancêtres français en l'an 1000, comme je le dis, pour qu'on soit français de sang. Puisque sa mère, la mère de ma mère n'avait pas de sang français, et son père avait un peu moins de 50% de sang français, puisqu'il descendait de la Sainte-Élisabeth de Hongrie. Donc, ma mère devait avoir 49% de sang français. Donc, ma propre mère était une Française d'adoption, ce n'était pas une Française de sang. Mais moi, comme mon père était purement français, je suis un Français de sang. J'ai presque 64% d'ancêtres français en l'an 1000. Voilà. Mais je ne vais pas rejeter les Français d'adoption alors que ma propre mère l'était. Vous comprenez? Je ne vais pas renier ma propre mère. Bien sûr. Avant de donner la parole à Malik, justement, sur ce sujet-là, au niveau de... Parce que moi, ce qui serait intéressant, c'est qu'on revienne justement sur la question que... N'oubliez pas le burkini quand même. Hein. Oui, on va y arriver à la fin. Stéphane, est-ce que justement, au sujet de cette alliance, toi, à laquelle tu fais partie justement avec nous, est-ce que tu comprends les réticences à ça de M. Delesquin? Alors, concernant cette alliance, tu l'as bien précisé, c'est pas un syncrétisme, il est pas question de trouver les points. J'ai pas dit ce mot, merci Stéphane. Non, mais tu l'as expliqué, donc tu l'utilises le mot ou pas, tu l'as très bien expliqué. Il est par contre important de comprendre qu'on c'est des exigences morales ou des repères moraux communs qui nous permettent de fonder cette alliance. Il s'agit quand même de voir quand on parle de l'avortement, bon, on parle d'une seule voix, par exemple, hein, et ce n'est pas le seul sujet. Hormis les blagues qui nous permettent de nous voir en toute camaraderie et en toute avec plaisir, il y a quand même vraiment cet aspect moral qui donc est issu des religions, parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs, notamment entre l'islam et le christianisme, qui nous permettent déjà d'envisager des actions comme tu l'as bien mentionné. Moi, je voulais simplement aussi revenir sur la notion du droit. Alors, c'est vrai que le Coran est aussi a aussi vocation à gérer le droit, toutes les questions de droit, et même de façon très, très, très poussée. Faut quand même voir que même dans l'histoire européenne, le droit musulman a quand même eu pas mal d'échos. On sait par exemple que lors des traités de Westphalie, qui ont demandé plusieurs années de discussion à Münster principalement et puis Osnabrück je crois en Allemagne au terme pour mettre fin à la guerre de 30 ans de 1618 à 1648, le droit musulman a aussi a eu son droit de cité. Alors bon, il s'agit pas d'apporter forcément la preuve, il suffit simplement de voir quelles sont les bases morales qui ont été mises en application. C'est quand même un ordre qui a permis de donner à l'Europe un certain ordre autour de la notion de peuple et de nation jusqu'à ce qu'on achoppe sur le bouleversement qui s'est fait à partir de la Première Guerre mondiale où là, on a envoyé l'idée d'État-nation, cette espèce de chimère qui finalement a mis un terme à cet équilibre qui avait été trouvé. Et là, on peut déjà parler... Je vais aller un peu loin, mais en termes de géopolitique, on peut parler d'une forme de séparatisme où finalement, ce n'est plus le peuple qui détermine la nation, mais on commence à envoyer les idées de destinée, de projet commun, l'histoire est envoyée de l'arrière vers l'avant, et là, on se retrouve de toute façon, comme on le voit toujours, comme disait toujours tout à l'heure Monsieur Delesquin, je fais une digression, hein, volontairement. Quand il parlait tout à l'heure de la gauche, que toute nouvelle victoire sociétale était considérée comme inamovible, c'est bien parce qu'on s'appuie sur une base morale qui est celle du progrès qui
n'ayons pas peur de le dire, n'est jamais qu'une forme de messianisme, c'est-à-dire demain, c'est mieux qu'hier. Donc la notion de morale, la notion de bien et de mal, de toute façon, s'impose à nous, qu'on le veuille ou non. Comme je dis toujours, si on ne peut pas s'occuper des questions de politique, de toute façon, on est dépassé par la profondeur des débats, à un moment ou à un autre. Ou alors, on se trouve dans des débats d'experts où chacun connaît, l'autre ne connaît pas, donc chacun dit ce qu'il veut, et puis là, bon. Voilà. Merci à toi, Stéphane. Bah, monsieur Delesquet, si vous voulez répondre, après on posera la question à Malik. Répondre sur quel sujet ? Bah, sur les propos de Stéphane, revenir... Ou sinon, Malik, vas-y. Si tu veux nous donner... Enfin, si tu veux... Malik, donne-nous ton avis, justement. Comment dire ? Il y a toujours des embranchements multiples, donc j'allais rebondir sur la question du droit, justement, européen. Enfin, droit européen. Je ne parle pas du droit de l'Union européenne, hein, donc je ne parle pas de l'ensemble de l'Europe comme d'un tout uni, mais bien de l'ensemble des droits européens, donc des divers pays d'Europe. Et là où je voulais rebondir, c'est que effectivement, en Sicile, au Xe siècle, il y a eu une influence de la part des Banu al-Arlab, donc des Arlabides, des Aglabides, de cette dynastie-là régnante sur la Sicile. Oh. Oula. Bon, oula, je disais, en Sicile, donc les Banu al-Arlab, les Arlabides ont eu une influence telle que le droit malikite a permis d'amener, bon ça c'est vraiment anecdotique, hein, mais c'est important quand même dans l'histoire du droit, cette formation-là du jury dans le droit outre-Atlantique, et même en Europe, le jury donc, qui est basé sur la notion de lafif dans le droit malikite du Xe siècle en Sicile. Donc voilà, ça c'était un petit détail sur les échanges et sur l'apport des civilisations les unes envers les autres. Et si on reprend le verset, ce célèbre verset dans le Coran où Allah dit d'abord en arabe, ensuite je donne le sens en français. Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Donc, c'est ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, puis nous vous avons organisé en peuples et tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Donc, l'importance du peuple et de la tribu, l'importance de la nation in fine, est nécessaire. Et donc, en islam, la nation renvoie à la religion, renvoie à la nation islamique. Et les peuples, eux, ont leur importance, comme on parlait tout à l'heure de l'exemple du mariage. Donc, c'est bien d'avoir précisé, Ziyad, que moi, je ne fais pas partie de cette organisation, de cette entente, de cette initiative d'alliance, mais bien dans ce dialogue-là. Et ainsi, moi, je l'ai toujours dit, l'islam étant une nation supranationale, dans le sens où c'est vraiment l'ensemble des membres, des musulmans qui sont les sujets du calife, ça c'est dans l'idéal, et c'est ce que le prophète a dit clairement en disant que d'abord ce sera le califat, ensuite ce sera une royauté injuste, puis un vrai califat, donc sur la méthodologie prophétique, puis viendra l'heure, donc la fin des temps. Et il est aussi dans un hadith qui est moins connu également, la description de la déliquescence des régimes islamiques. Et donc en islam, selon le prophète, le régime idéal est le califat. Et le calife, étant le représentant de Dieu sur terre, le vicaire, doit appliquer la loi, la législation, la sharia en arabe. Et on a ce verset aussi qui dit وَجَعَلْنَاكُمْ وَلِكُلِّ مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا. Et à chacun d'entre vous, il y a une loi, une législation et une méthodologie. Donc clairement, l'initiative en question de mes frères et camarades n'a pas vocation justement à communautariser les musulmans et les catholiques ou à les séparer de la nation donc française. Mais justement là où on est d'accord aussi, c'est que personnellement je reviens au fondement même du droit musulman, et le musulman se doit en tant que tel de vivre en terre d'islam sous l'application de la loi divine. Donc ça, en ce qui me concerne, moi je suis pour la hijra, qui est une obligation religieuse, donc le retour en terre d'islam, et la vie sous cela, et non pas justement d'imposer
à une société qui jamais ne l'acceptera de toute façon par définition, la loi divine. Et ce qui est intéressant dans la, donc la loi divine, hein, je dis bien, ce qui est intéressant dans l'initiative en question, c'est que volonté n'est pas là. Mais effectivement, et c'est pour ça que je suis en tant qu'ami et frère dans le conseil et dans l'échange, en tant que tel, on ne peut aboutir justement à une société où chrétiens et musulmans pourront être deux communautés sous l'égide républicaine. Non, puisqu'en réalité, l'islam a son système régalien entier et plénier. Bon, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je voudrais insister sur un point. Je ne parlerai pas d'action commune, je pense à des actions parallèles. Car c'est nous ça. Avons, nous nationalistes, nous chrétiens, et vous musulmans, un ennemi commun, c'est la gauche. La gauche, c'est deux aspects. La gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, et elle a deux, j'insiste sur ce point, elle a deux pôles antagonistes, le collectivisme et le cosmopolitisme. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a l'incarnation de cet antagonisme, puisque Mélenchon représente le collectivisme et Macron, la gauche, cosmopolite. Et pour des gens comme nous, qui sommes attachés à des valeurs religieuses et traditionnelles, la gauche, c'est l'ennemi. Le marxisme, bien sûr, n'insistons pas, le marxisme est contraire à l'islam, comme il est contraire au christianisme. Et aujourd'hui, le cosmopolitisme, qui est l'idéologie dominante mondiale depuis la révolution de 1968, c'est ça qui détruit les valeurs. C'est ça qui veut propager la pudeur, la pornographie, etc., partout, le mariage homosexuel, la transsexualité, ça, c'est le cosmopolitisme. Bon. C'est un ennemi commun. Les hommes de bien, qu'ils soient de religion chrétienne ou de religion musulmane, doivent vouloir combattre ce cosmopolitisme, car il est destructeur des valeurs. Très bien, merci à vous. Merci à vous. Bah écoutez, on va conclure sur ces belles paroles. Le burkini. Ah oui, le burkini. Ah, vous lâchez rien, monsieur de Guesquin, j'aime bien. Ah ben écoutez, je vous pose la question justement. Que pensez-vous du burkini et de tout l'aspect, si on peut rajouter, de tout l'aspect médiatique qui est autour de cette... Écoutez, pour le burkini, c'est un peu la même chose que pour le voile islamique. Les femmes, comme les individus en général, peuvent être libres de s'habiller comme elles veulent. En matière de voile islamique, la seule contrainte, c'est pour moi, pour la loi française actuelle d'ailleurs, la nécessité de montrer son visage pour des raisons de sécurité, parce qu'on doit pouvoir identifier les individus, hommes ou femmes. Pour le burkini, c'est une question de respect des règles de sécurité et d'hygiène. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais les règles de sécurité et d'hygiène, dans les piscines, pas sur le bord de la mer, attention, pas sur les plages, dans les piscines, imposent que les vêtements soient près du corps. Alors, est-ce que c'est pour empêcher les gens de faire pipi, d'uriner dans la piscine? Est-ce que c'est parce que... les vêtements amples sont plus sales, ou bien parce que, pour éviter que les gens viennent dans la piscine avec des vêtements qu'ils auraient portés à l'extérieur, alors il paraît qu'il y a aussi une raison de sécurité, parce que quand on a des vêtements amples, on peut être aspiré par la machinerie de la piscine. En tout cas, il y a une réglementation qui est appliquée pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Telles sont les motivations qui s'appliquent aux hommes. Les hommes n'ont pas le droit de porter des bermudas dans la piscine. Vous voyez ? Ouais. Les hommes. Donc, à partir du moment où il y a cette règle de sécurité et d'hygiène, eh bien, elle doit s'appliquer aussi aux femmes. Donc, le burkini étant contraire à ces règles, elle ne peut pas être portée dans une piscine. C'est ce que vient de dire le Conseil d'État, avec pour une fois, une grande sagesse. En revanche, lorsqu'un maire prend un arrêté pour interdire le burkini au bord de la mer, sur la plage, c'est complètement aberrant. Parce qu'il n'y a plus de contraintes de sécurité, il n'y a pas de machine qui aspire les vêtements, il n'y a plus de contraintes d'hygiène, puisque la mer est immense. Et voilà. Donc, l'interdiction du burkini sur la plage est une atteinte scandaleuse à la liberté individuelle. Bon, de plus, c'est même ridicule, parce que le burkini, c'est le vêtement qu'avaient nos grands-mères en 1900, nos grands-mères françaises avant l'immigration musulmane. En 1900, elles se baignaient comme ça. D'accord, ça, j'étais pas au courant. Ben si, ben attendez, l'impudeur actuelle, écoutez, obliger des femmes sur la plage à se dévêtir, à montrer leur corps, c'est incroyable. Pour ma part, je pense qu'il faut simplement obliger les femmes à avoir au moins deux pièces. Je pense que ce qu'on appelle
de manière comique le monokini, c'est-à-dire les femmes au sein nu, c'est une atteinte à la pudeur, ça devrait être condamné. Bon. Bref, on a une amende aux femmes qui montrent leur sein à la plage. Bon. Mais il est conforme à la tradition, à l'usage maintenant, qui est moins pudique qu'autrefois, que les femmes portent des vêtements sur la plage, très peu de vêtements. Bon. En revanche, si la femme, pour des raisons de pudeur, parce qu'elle a un sens de la pudeur plus aiguë que d'autres, et parce qu'elle considère que c'est une obligation religieuse, met le burkini, enfin un vêtement beaucoup plus pudique sur la plage, je ne vois pas comment on pourrait lui interdire. Vous voyez, vous comprenez ? C'est la liberté, individuelle. Là, sur la plage, il n'y a plus ces conditions, ces règles de sécurité et d'hygiène. Voilà ma réponse. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un veut revenir dessus, Malik ? Bah, tiens, justement, Bilal qui arrive. Je vais apparaître Bilal maintenant, tiens. C'est ça, Bilal qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe pour les, dernières de son, secondes. Il est tombé de son minaret. Bilal. Elle est bien placée, ça, gars. Le Mouedjine est venu chanter sa mélopée. Est venu le réveiller parce qu'il est en train de dormir. Non, mais Bilal, le Mouedjine de l'islam, oui, c'est la bonne référence. C'est ça. C'est le premier Mouedjine à ma connaissance, oui. Exactement. Il est d'ailleurs congoïde, il est d'une race congoïde. Exactement. Bah tiens, Bilal, justement, vu que tu es là... À moitié, parce qu'il était fils de Rabah, un arabe, et donc d'une mère éthiopienne. Je ne savais pas. Justement, Bilal, vu que tu es là, ta punition, ça va être toi de répondre à ce qui vient d'être dit là, tout de suite. Là. D'accord. Non, il n'y a aucun souci. En plus, j'habite une ville où il y a une... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ne confondez pas Bilal avec le Burkini Faso, hein. À l'état d'Afrique. Je l'avais sorti celle-là à cause de la polémique. Parce qu'il y avait la polémique Burkini, j'avais sorti, mais on est au Burkini Faso là. Exactement. Voilà. Ah bah justement, Bilal qui est de Grenoble, où cette polémique est née là, entre les législatives et le. Donne-nous ton avis sur ce que vient de nous dire M. Balesquin. As-tu un Burkini? Cachez-toi, j'en ai quatre. Même. Il est transsexuel à ma connaissance. Voilà, j'en ai quatre. C'est non, un autre thème. Que Dieu m'en préserve. Voilà. Que Dieu, qu'Allah Azzawajal m'en préserve. Déjà, salam alaykoum à mes frères Ziyed, Malik et Stéphane. Bonjour. Bonjour, monsieur Delesquin. La paix soit avec vous. J'espère que vous allez bien. Alaykoum salam. Merci. Vous aussi. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur le Burkini ? En fait, je vais vraiment rester concentré sur Grenoble parce que j'ai vraiment vu. L'affaire de l'intérieur, vu que j'ai un peu cette double étiquette-là, où non seulement je suis habitant de Grenoble, mais aussi je travaille plus ou moins pour la mairie de Grenoble. J'ai un peu cette double étiquette-là. Voilà. Oui, je suis, entre guillemets, agent de l'État. Voilà. La mairie de... C'est là où tu me fais peur, justement. Parisien. Voilà. La mairie de Grenoble a pris un grand risque. Voilà. Et du coup, non, sérieusement, après, en fait, on sent purement que l'affaire du Burkini à Grenoble, c'est purement une volonté purement politique de rachat de voix. Ce n'est aucunement. Déjà, je pense que Malik a déjà dû faire son introduction dessus. Le Burkini n'a rien. N'a rien d'attrait à l'islam. Déjà, ces créateurs, ce ne sont même pas des musulmans, ce sont des Australiens. Ah bon ? Et sachant que là... Oui, c'est des Australiens qui ont créé le Burkini. Et c'est même pas des Australiens issus d'une diaspora musulmane, en plus. Donc, des purs Australiens caucasoïdes. Sachant que l'Australie a comme... Il pourrait être caucasoïde musulman. Je signale que Mohamed était un caucasoïde musulman. Hein. Bon, le prophète était un caucasoïde musulman. Donc, bon. Oui, dans votre lecture. Mais pour revenir à ce que disait Bilal, ils sont proches aussi d'une certaine famille politico... j'ai failli dire le terme, mais politico-ethno... Politico-juive. C'est intéressant, ce sont des juifs, donc je ne savais pas. Ils sont proches. Vas-y, Bilal, on te laisse terminer, voilà. Bilal. Et donc, non, il n'y a pas de souci. C'est toujours un plaisir quand mon frère Mali qui me coupe pour donner des références. C'est avec grand plaisir. Et du coup,
ces fondateurs qui sont des vraiment caucasoïdes de type comme moi. Mais que les musulmans, les différentes diasporas musulmanes étant de grands consommateurs en Australie, tout comme en Angleterre, et du coup, forcément, il y avait de l'argent à se faire. C'est vraiment ça l'histoire fondateur du burkini. Donc ça n'a rien d'islamique et ça n'a même pas été créé par des, on va dire, par quiconque d'attaché un minimum à l'islam. Donc ça, c'est juste pour la parenthèse. Maintenant, pour en revenir à Grenoble, on sent réellement que c'est purement un achat de voix par principe idéologique. Par principe idéologique, comme vous aimez bien le dire, monsieur Dien, purement cosmopolite. Parce que c'est-à-dire, il n'a pas seulement autorisé le burkini, s'il a autorisé aussi le monokini, c'est-à-dire que les femmes puissent enlever le haut de leur bikini à la piscine publique. Ah là, et là, maintenant, le reste. Mais vous inquiétez pas, moi aussi. Voilà, je suis complètement contre aussi. Et c'est en cela où quelque part je peux, histoire de parler entre guillemets un peu trivialement, je peux pousser un peu ma gueulante, c'est que lorsque je vois des sœurs qui militent pour le burkini et en même temps pour le monokini, pour toujours pas un peu pour ce point. C'est ouais, non, mais c'est clair. Schizophrénie. C'est aberrant. Aberrant. Ouais, c'est une vraie schizophrénie. C'est une vraie. Un poil avec un voile. C'est vraiment. C'est antinomique. C'est ça. Non, mais Stéphane, pourquoi t'as dit ça maintenant? J'allais dire une dinguerie, Stéphane. Bilal. En fait, tu me connais pas. Tu me connais pas encore bien. Bilal, on se maîtrise, Bilal. Vas-y, attaque. Oui, non, mais... Vas-y, Bilal, termine, vas-y. Voilà. Non, après, pour en revenir, c'est que réellement, en fait, surtout Grenoble, c'est une ville étudiante. Et après la Sorbonne, c'est réellement, je crois, une des villes où on va poser le terme sur la table, où ce qu'on appelle l'idéologie wokiste est la plus présente. Alors, je vous arrête. D'ailleurs, le wokisme, c'est une variante du cosmopolitisme. Il faut absolument que on comprenne que notre idéologie dominante, totalement perverse, c'est le cosmopolitisme, qui a une très longue histoire. Et le wokisme, c'est simplement qu'une forme qu'il a prise aux États-Unis, mais c'est une variante, c'est un synonyme. Oui, voilà, on va dire que c'est le pendant étudiant du cosmopolitisme, si vous préférez. Voilà, c'est l'expression. Mais il ne faut pas voilà. Oublier l'essentiel, qui est vraiment le combat contre le cosmopolitisme, qui est un système global. Qui nous détruit, qui détruit nos valeurs, qui détruit la famille, qui détruit la nation, qui détruit la religion, y compris la religion musulmane, qui détruit toutes les religions. Bien sûr, et même en cela, parce que je pourrais même raconter en détail, on va dire, le rapport du maire actuel de Grenoble avec certaines mosquées, parce qu'avant avant même que je travaille pour la mairie de Grenoble, j'ai déjà eu des contacts indirects avec M. Éric Piolle, de par mon engagement dans le milieu associatif de mosquée. Donc, je pourrais en raconter, mais ça risque de durer trop longtemps. Donc, ouais, voilà. Ouais, on va essayer d'accélérer là. Voilà. Du coup, pour en revenir, ce qui vraiment me fait hérisser le peu de cheveux que j'ai sur la tête, c'est réellement, en fait, ce principe-là où des sœurs qui sont censées représenter cet habit musulman et cette pudeur islamique-là vont militer pour le burkini dans les piscines, mais en autorisant aussi toutefois le monokini par principe de liberté individuelle de la femme, et surtout lorsque, à la base, cet amendement municipal a été autorisé, on voyait toutes les sœurs, entre guillemets, enfin toutes les femmes des différentes luttes féministes, etc., qui ont crié,
qui était là, qui balançait même des you-you. On était dans un mariage, clairement, dans la mairie. C'est-à-dire, si et Malik, tu me donneras la version arabe. Tu me donneras la version arabe, comme ça on sera au plus proche de la véracité. Mais le prophète Mohammed a condamné les femmes qui élèvent trop la voix, qui crient. Il y en a plusieurs, mais ça me reviendra exactement la. C'est bon, sûrement dans le Coran, tout ce genre de choses. Ouais. Voilà, c'est ça. On va accélérer si vous voulez bien, messieurs, parce que c'est l'heure de la prière ici. Oui, chez moi aussi. Et du coup, c'est. Mais j'étais obligé, vu que vous étiez toujours là, j'étais obligé de vous dire, de venir dire le bonsoir et de saluer quand même Monsieur Delesquin qui nous fait l'honneur de sa présence une deuxième fois. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Voilà. Vas-y, termine. Ah, je crois que tu avais terminé, Bigal. Vas-y, finis. Non, c'est très, très rapide. Et c'est en cela où, en fait, le burkini, en fait. En soi, le burkini, ce qui me dérange, c'est pas en soi que les femmes elles aient envie de se couvrir, même si pour moi le burkini n'a rien d'islamique. Mais le problème n'est pas en cela que les femmes aient envie de se couvrir pour aller se baigner à la piscine ou à la plage, mais c'est qu'elles militent pour que dans des piscines municipales d'un pays qui n'a pas forcément, je parle aujourd'hui, la même valeur éthique et morale que nous, qui puissent militer pour avoir le burkini. Mais qui, à côté, autorise, et sachant que c'est des mamans pour la plupart. C'est-à-dire, elles vont aller à la piscine avec leur burkini, elles vont se sentir bien, pudiques, mais elles vont laisser leurs enfants voir des choses qu'ils ne sont pas censés voir. Voilà, c'est, là, c'est ça. Et c'est de la schizophrénie et de l'hypocrisie sans nom. Je vois pas ce qu'on peut rajouter à ça. Très bien. Excuse-moi, Bigal, je te coupe vraiment parce que là, c'est vraiment le. Non, on arrive vraiment. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Maintenant, il n'y a pas de souci. On arrive à 2h08. C'est vraiment pour que on essaie vraiment d'être le plus efficace possible. Donc voilà, on arrive au terme de cette émission. Monsieur Delesquin, si vous avez un mot pour conclure. Non, mais écoutez, je vous remercie, monsieur Zied. Ziad Ghazouani, je vous remercie de votre invitation. Je suis ravi de pouvoir discuter avec vous, avec M. Malik, avec M. Bilal, avec M. Stéphane et avec les auditeurs de Radio Principe. Moi, je suis partisan du dialogue dans le respect. Exactement. Dans le respect de la foi, surtout de la foi dans une grande religion. D'ailleurs, juste très rapidement, Malik. Je tiens juste à préciser aux gens qui nous écoutent ce soir que M. Delesquin nous a invités à peut-être venir faire une émission au sein du CDH, je crois que c'est le club de l'horloge, c'est ça ? Ouais. Carrefour de l'horloge. Autrefois, c'était le club de l'horloge, mais depuis 2015, vous l'avez appelé Carrefour de l'horloge. Très bien. Merci pour la précision. Donc, au Carrefour de l'horloge, donc, on va mettre ça en place et je pense qu'on sera en direct ce jour-là. Donc voilà. Malik, si tu veux rajouter un mot, et après, je vous laisse aussi rajouter un mot, Stéphane et Bigal. J'allais dire dans l'idée du dialogue justement et le fait que c'était renommé Carrefour, on voit bien l'initiative d'ouverture au dialogue et il y a ce verset hein, coranique qui résume tout. Voilà tujadilu allazina utul kitaba illa billati hiya ahsanu illa allazina zalamu minhum. Et n'adressez pas et ne dialoguez ou ne débattez ou n'adressez la parole à ceux qui ont reçu le livre, donc les gens du livre, les juifs et les chrétiens, que de la meilleure façon, sauf ceux qui ont été injustes parmi eux. Donc on a je vais rajouter une phrase, un verset de l'Évangile. Jésus-Christ a dit « Que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste vient du démon. » C'est bien. Eh ben voilà, c'est une très belle phrase. Merci à toi, Malik. Stéphane, si tu veux donner un mot de conclusion rapide. D'accord. Vous m'entendez, c'est bon, oui. Ouais. Enchanté d'avoir pu discuter avec vous, même de façon virtuelle, monsieur Delesquin, et oui, d'avoir fait la connaissance, pu constater un peu votre érudition, non pas pour l'étaler, mais dans une discussion construite. Donc, en gros, quelque chose d'affirmé et d'ouvert, donc c'est ce qu'on cherche à faire, donc merci, rien de plus. Et puis juste une blague, parce que j'ai pas tellement d'imagination, moi j'ai rien contre le burkini, parce que déjà ils nous l'ont vendu avec les deux jambes, donc déjà on n'a pas tout perdu. Il faut savoir une chose, hein.
c'est que Stéphane est un adepte des fines blagues. Mais vraiment, en fait, il y a un temps de réflexion, ça dure une ou deux secondes. Et là, tu rigoles. merci à toi, Stéphane. Merci, frérot. Bigag, si tu veux donner un petit mot de conclusion. Bigag, je tiens juste à résumer, c'est le mec, c'est l'inspecteur des travaux finis. Il arrive quand tout est fini, il se prend la part belle du gâteau et il donne un mot de conclusion. Non, mais vraiment, t'es irrécupérable. Vas-y, Bigag. Non, mais c'est mon côté fonctionnaire, voilà. C'est bon, je comprends. Je suis aussi fonctionnaire, à la retraite, mais fonctionnaire. Oui, mais je pense que c'est pas le même type de fonctionnaire. Non, nous, on est fonctionnaire de mairie. Je pense que nous, on est habitués. Mais t'es fonctionnaire de l'État. Voilà, c'est ça. T'es fonctionnaire de l'État, ministère des Finances. Oui. Vas-y, Bigag, si tu veux donner un petit mot de conclusion pour terminer. Bah, mon mot de conclusion, déjà, je tiens à m'excuser du retard, mais quand j'ai vu que l'émission elle était toujours ouverte, comme je l'ai redit, j'étais obligé de venir saluer tout le monde. Et bah, ça me fait en tout cas grandement plaisir, même si j'étais absent, que vous ayez encore accepté cette invitation, monsieur Delesquin, en espérant qu'on puisse honorer la vôtre. Moi, je suis ravi de discuter avec vous. Et bah, nous aussi, c'est réciproque. Et ma conclusion, c'est tout simplement, il faut au bout d'un moment qu'on se rende compte, et ça m'est revenu, j'en parlais l'autre fois lors du live ouvert, thématique libre qu'on avait fait avec Stéphane, Malik et Zied, il y a des gens qui crachent non seulement sur l'islam, mais aussi sur Comment ? Excuse-moi, je disais Mehdi, le grand absent. Ah oui, Mehdi. Voilà. Non, mais je disais ceux qui étaient là, tu vois. Mais bien sûr, on pense à notre frère Mehdi qui est absent ce soir. Et qui aussi crache sur la religion chrétienne où, monsieur Delesquin, j'avais vu une vidéo en marge vous savez, des marches pour la fierté, de ces chers cosmopolites, chers à nos cœurs. ne reprenez pas l'expression marche pour la fierté, c'est marche pour la honte. Voilà, non, mais. Oh. Si, non, on va garder votre expression qui est plus proche de la vérité. Mais c'est voilà, un manque d'étude d'heure. Moi, je dis, André, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pour la liberté. Donc, les adultes consentants font ce qu'ils veulent entre eux, dans l'intimité. Ils n'ont pas à marcher dans la rue pour raconter ça. Ouais. On a cette parole prophétique. Hein, on ne regarde que eux. L'inclination sexuelle, quelle que soit sa nature, doit être d'ordre privé. On ne doit pas l'étaler en public. Voilà, donc c'est une marge de la honte. On est bien d'accord. Et surtout que je pense que le vocabulaire de l'ennemi, marche des fiertés, c'est leur expression. Bah, c'est la marge de la honte. Voilà. Vous dites déshonneur. Marge de la suprématie. Par rapport à ce que tu dis et ce que dit M. Delesquin, il y a ce hadith prophétique où il est dit. Ce qui signifie, parmi ce que les gens ont reçu de la prophétie des premiers temps, si tu n'as honte de rien, fais ce que tu veux. C'est ça. Ça veut dire, va loin dans le cochon. C'est ça. Ne pas avoir le sens de la honte, c'est ne pas avoir d'honneur. C'est ça, exactement. Et l'honneur, c'est une... On va préciser, marche de la fierté diabolique. Je pense que là, c'est on ne peut plus précis. C'est Satan. Voilà. Marche de l'orgueil. C'est ça. Et donc, en marge de cette marche de la fierté diabolique, satanique, tout ce que vous voulez, shaitanique, des gens ont fait un foot. On dit chez nous, dans les quartiers populaires, on dit une brésilienne avec une Bible. Donc, mon mot de conclusion, c'est quand je vois monsieur Delesquin, malgré toutes nos divergences, et on ne se mettra jamais d'accord sur certains points, vous et nous. Sauf quand je vous aurai converti au christianisme. et nous, on vous aurons converti à l'islam. Donc voilà. Et qu'avant cela, la jizya soit réglée, hein, soit payée. Voilà. Il va nous falloir un démour intermédiaire, là. Je paye assez d'impôts comme ça. Hein. Ah, excellent. Elle est pas mal. Mais vous allez payer moins d'impôts chez nous que chez la France. Voilà. Ça se négocie. Attends.
Ça, Stéphane, ne t'y mets surtout pas, sinon, moi, c'est demain matin, 6h, c'est moi en me les faire. Hein, donc, ouais. J'ai pas démarré le train, t'inquiète. Bon, sur ce, comme je vois que j'ai même pas réussi à finir. Ah bah, vas-y, finis alors. Oui, vas-y, Dubaï, okay. Vas-y. Non, c'est pas grave. Mais du coup, quand on voit tout ça et qu'on voit ce qu'on arrive, là où on arrive à se mettre d'accord avec quelqu'un comme Monsieur Delesquin, etc., il est temps réellement que musulmans et chrétiens conservateurs de tous bords fasse cette entente islamo-chrétienne conservatrice afin de justement pouvoir faire le ménage en interne à nos communautés respectives et externes. C'est ça mon mot de conclusion. Merci à toi, Bigal. Merci à vous tous. Merci aux gens du chat d'avoir posé des questions, d'avoir interagi. Il y en avait certains qui n'étaient pas d'accord, etc. Bon, j'ai dû faire un peu de ménage. Mais c'est comme ça, je suis désolé. À partir du moment où on ne respecte pas ce qu'il y a dans le règlement descriptif de chaque mission, moi, je suis sans pitié. Donc voilà, sur ce, merci à vous tous. Merci à vous, Monsieur Delesquin. On reste rapidement off entre nous pour débriefer vraiment de manière rapide. Et quant aux gens du chat, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Ah oui, juste un dernier point. N'oubliez pas, encore une fois, pour ceux qui peuvent aider la petite Aïcha, on l'a mis à plusieurs reprises dans le chat, donc il ne reste pas beaucoup, hein, on doit être aux alentours de 590, quelque chose comme ça. Au revoir. Donc, ceux qui peuvent aider, voilà, faites-le. Sur ce, on se dit à plus tard. Ciao.